Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les oracles de Pity TV. Je reçois ce soir Muriel Giroud-Claude. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Muriel. Bonsoir Petit, Comment ça bonsoir tout le va? monde, ça va bien? Je règle mon Bon. son là parce que tu me hurles dans les oreilles, hein, voilà. Oui, bah oui, Ça c'est normal, c'est l'entrée, tu vois, je suis dynamique, ça envoie, comme on dit. y est, on voit du pâté. Et on voit du pâté pour les veillants. Pour chat. Bonsoir à toutes et à tous dans le chat. J'espère que vous allez toutes et tous très bien ce soir. Bonsoir à Florence, bonsoir Sonia, notre modératrice. Bonsoir Nathie, bonsoir Nathalie Augier, j'espère que tu vas bien. Salut Maria. Ça fait plaisir de te voir. Salut Bruno, pareil, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous les deux. Salut Jeza, j'espère que tu vas bien. Voilà, Christelle aussi, salut. Ben voilà, Mélodie, salut Mélodie dans le Nord, j'espère que tu vas bien. Nathalie, qui peint en ce moment, qui est très productive. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son site, hein, Nathalie 66, hein, voilà, sur les réseaux sociaux, c'est très sympa. Stéphanie, salut. Voilà, il y a plein de monde. Titi, bonsoir. Guigui, bonsoir. On a Titi, on a Guigui ce soir. Nana, voilà. Natacha, voilà. Plein de monde. Et j'en oublie, mais je vous embrasse toutes et tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien ce soir. Déjà 35 personnes. On n'a pas encore commencé l'émission. C'est magnifique, c'est génial. Je vous remercie grandement. Alors, pour les personnes, voilà. Il y a eu beaucoup d'abonnés qui sont arrivés ces derniers mois et d'ailleurs je vous en remercie vivement. Donc, y a des personnes forcément qui ont découvert la chaîne et qui ne connaissent pas mon aficionados Muriel qui est voilà là depuis le début de la chaîne hein, depuis maintenant 3 ans. Voilà, elle est intervenante sur la chaîne pour les soirées voyance médiumnité. Voilà, c'est une voyante de grand talent, une médium de grand talent qui a elle-même inventé hein, du fond de son grand esprit une technique de, on peut dire, hein, une technique Lecture. voilà, de lecture, voilà. Donc elle va vous expliquer tout ça, elle va vous expliquer un petit peu son parcours aussi. Voilà, donc écoute, je te laisse la parole, Muriel, pour voilà, expliquer à nos nouveaux abonnés qui es-tu et où vas-tu? Où vais-je? Dans quelle étagère? Donc, bonsoir, je m'appelle Muriel Giraud-Claude. Donc, comme l'a précisé Petit, je suis médium clairvoyante et non-voyante. J'aime bien faire la distinction. Voilà. Et pour poser ma clairvoyance, j'ai créé ma propre numérologie. Voilà, donc tient compte de plusieurs critères. Il n'y a pas que du spirituel à l'intérieur dedans. Voilà, il y en a forcément, mais il y a aussi une part psychologique, une part sociologique, aussi une part de neurosciences. Il y a plein de choses dedans, dans la potion. Et bim bam boum, ça fait des chocs à pic. Voilà, donc cet outil, en fin de compte, me permet d'accompagner les gens dans leur. Dans leur vie, dans leur blocage émotionnel, s'ils se posent des questions sur leur devenir, que celui-ci soit professionnel, sentimental, voilà, amour, gloire et beauté, comme je dis toujours, voilà, c'est avec grand plaisir que je les accueille lors de séances privées. Je suis aussi de la médiumnité, donc du contact défunt également. Voilà. Ok, très bien. Ben, écoute, merci pour cette petite explication, Muriel, très instructive. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, voilà. Alors, je vois qu'on a pas mal de modérateurs et modératrices ce soir, c'est super, c'est parfait. Ça va nous. Bonsoir le petit gang, parce que je suis Ouais. aussi modératrice hein, de la chaîne, tu l'as pas Oui, c'est dit. vrai, il faut le préciser, effectivement. À tes heures perdues, oui, À effectivement, mes mais. heures perdues, mes soirées Voilà. solitaires, avec ma grande Oui, vie peut-être une sociale et annonce, sentimentale. peut-être tu as De quoi une annonce sur Tinder. Alors, je recherche donc. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà commencer à mettre vos numéros de téléphone dans le chat. Voilà,
Je vais faire mon maximum pour vous passer dans l'ordre, hein, bien sûr, les premiers arrivés, premiers servis, hein, comme d'habitude. Donc, on va commencer notre émission tout de suite par un petit tour d'horizon commercial, voilà, comme à l'accoutumée. Donc là, les oracles de Pity TV, vous le savez maintenant, sont partenaires avec la Caverne au Grimoire. C'est une boutique ésotérique magnifique, hein, qui est du côté de Crémieux, en Orisère, à une trentaine de minutes de Lyon. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous y trouverez vraiment absolument tout ce que vous avez besoin en matière d'ésotérique, de voyance, voilà, d'ingrédients, si vous voulez faire des petites potions, des choses comme ça. Voilà, tout, vraiment, c'est une boutique avec énormément de références. Voilà, vous pouvez aller faire un tour. Déjà, de visu, vous y trouverez des pierres, des encens, plein de choses, hein, des tambours chamaniques, des oracles, des boules de cristal. Enfin, vous trouverez vraiment tout ce que vous voulez à la Caverne au Grimoire. Et voilà, pour la petite explication, Manuel, qui est le gérant de la boutique, hein, le propriétaire de la boutique, voilà, s'est dit, je ne veux pas faire de site vendeur sur la boutique. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de donner le conseil, le bon conseil à ma clientèle. Voilà, donc il faut l'appeler dans un premier temps pour poser des questions et pouvoir établir votre commande avec lui. Et par la suite, voilà, il vous envoie le colis directement chez vous. Mais il met un point d'honneur vraiment à vous renseigner de la meilleure manière parce que c'est une personne qui a énormément d'expérience en matière d'ésotérique. Donc voilà, www.lacaverneaugrimoire.com, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour rentrer en contact. Également, le site du Cercle des Médiums, le Cercle des Médiums sur Facebook, d'accord ? Donc, vous tapez ça dans la barre de recherche de Facebook, c'est la page de mon invité, Muriel, voilà, où vous trouvez plein de choses diverses et variées sur la médiumnité, sur Muriel, voilà, qui est une très jolie photo, là, en plein travail, on la voit. Voilà, il y a son actualité, il y a plein de choses. Il y a les ambiances vibratoires, hein, aussi, que tu as mis en place il n'y a pas longtemps, Muriel, ouais. Sur TikTok, normalement. Mais c'est vous partout. Les retrouvez également sur, voilà, sur ces réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Voilà, c'est une sorte, on va dire, une sorte de petit récapitulatif, pardon, vibratoire de la journée, en fait, hein, tout simplement. C'est ça, c'est l'énergie que porte la journée, voilà. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, d'aller y jeter un petit coup d'œil, que ce soit voilà, le matin, à midi ou en fin de journée, pour voir si la journée, effectivement, s'est passée comme prévu. Mais ça peut vous donner des petites indications, et c'est plutôt sympa, franchement, c'est bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir voilà, ces petites capsules, ces petits posts que fait Muriel au quotidien sur les ambiances vibratoires. C'est vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous la retrouvez également sur Instagram. Bon, là, des photos un petit peu bien sympas. Mais voilà, vous avez aussi les ambiances vibratoires qui sont là. Donc, n'hésitez pas. Je dirais que l'Instagram est peut-être un petit peu plus détente et un peu moins travail que le reste. Mais c'est sympa comme tout aussi. Donc, n'hésitez pas. C'est donc Muriel Giraud. C'est moi. C'est elle. Voilà, c'est elle. Exactement. Voilà, c'est moi. Faut pas chercher. Voilà. Alors ensuite, si vous souhaitez une consultation, ben maintenant vous connaissez un petit peu la musique parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font appel à mes services et pareil, je vous en remercie vraiment énormément. Le carnet se remplit à vitesse grand V et maintenant voilà, je commence à avoir plusieurs semaines quasiment de délai pour pouvoir vous trouver un créneau. Donc merci mille fois à toutes et à tous de m'accorder votre confiance une nouvelle fois. Donc, les oracles de Pity.fr. Vous allez dans la rubrique contact et vous trouverez mon numéro de téléphone, le 06 41 48 55 57, où vous pouvez directement prendre rendez-vous dans l'encart juste en dessous qui est prévu à cet effet. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de renseigner votre numéro de téléphone, voilà, pour que je puisse vous rappeler, pour fixer le rendez-vous tout simplement. Et derrière, surtout, vous ne réglez rien avant que je vous ai rappelé de vive voix, hein, bien sûr, pour éviter les problèmes, les usurpations d'identité, toutes ces choses-là, malheureusement, que les voyants et médiums, dont sont victimes les voyants et médiums, voilà,
de plus en plus, hein, malheureusement. Donc voilà, on s'appelle, on échange de vive voix. Et une fois qu'on a échangé, je vous donne le feu vert pour le règlement. C'est mieux comme ça, c'est plus sécurisant pour vous et pour moi. Voilà pour la petite partie commerciale, même si on sait que c'est un peu rébarbatif. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour tout le monde. Alors Muriel, oui, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur tes vibrations ? Sur mes vibrations ? Les vibrations personnelles, les vibrations du jour que tu proposes ? Voilà, bah, j'avais, c'est une idée que j'avais en tête depuis un petit moment, voilà, de proposer des petites guidances. Et puis, tu as vu, je me suis mis au montage et tout. Ouais, j'ai vu ça, c'est très bien. Bravo. T'as vu, hein ? J'attends ton micro. Ouais. Mais il faut que tu l'aies. Bah, vu, je crois que je vais bien le chercher en plus. D'accord. À deux doigts, je veux dire. Okay, on n'est pas rendu. On n'est pas loin, mais on n'est pas rendu. Voilà, non, blague à part. Voilà, donc comme je disais, c'est en fin de compte, comme je travaille avec les gens, je travaille sur leur date de naissance et que je peux faire des projections effectivement dans les semaines, les mois, tant que j'ai des chiffres, moi, c'est bon, j'ai fait parler. Donc, avec la date du jour, effectivement, représente une vibration qui va accentuer un aspect. Voilà, un aspect de la journée. Donc, ça soit au point de vue, ça peut toucher plus sur une journée, plus au point de vue du professionnel, plus au niveau de la vie de couple, etc. C'est chaque jour a vraiment sa vibration. Ce que j'ai pu remarquer, pour le coup, comme je l'ai fait, t'as vu, je me suis tenue. Donc, moi, j'ai discipline, hein. Voilà. Ce que j'ai pu remarquer, ça passe toujours par trois phases. Une phase vraiment d'introspection personnelle. Vraiment, hein, travail perso. Très souvent, on va passer ensuite sur un milieu de mois plus sur un travail de relationnel. Voilà, on est plus au niveau relationnel, que celui-ci soit professionnel, amoureux, familial, voilà. Et très souvent, sur la fin de mois, on va tomber sur vraiment sur l'extérieur, sur la matérialité, là où ça va agir concrètement. C'est ce que j'ai pu remarquer. C'était très intéressant à mettre en place, parce que du coup, c'était quelques petites découvertes. Voilà. Et dès demain, on trouve celui du mois d'avril où j'ai changé la présentation suite à tes conseils avec une nouvelle petite musique d'ambiance. Voilà. Donc, vous les retrouvez. Donc, j'essaye de les poster tôt le matin. Je vous les poste à 20h, c'est un peu mort. Voilà. Non, généralement, j'ai à 7h30, 8h, je les poste. Le café, alors, c'est nickel. Voilà, pour le temps du café et tout. Et donc, ils sont disponibles absolument, je les balance partout, sur tous les réseaux. Voilà, que ce soit TikTok, que ce soit Insta, que ce soit sur mon Facebook personnel. Que ça soit sur le cercle des médiums sur Insta. Bon, sur Insta, ça a du mal à prendre. Heureusement que tu es là, Piti, pour les liker. Ben oui. Ça plaît bien sur TikTok et sur mon Facebook personnel. Voilà. Donc, après, mais bien entendu, vous avez accès, qu'importe. Même sur YouTube. J'ai oublié, parce que j'ai une chaîne YouTube. Je les ai balancées sur YouTube aussi sur ma chaîne. Voilà. Donc, voilà, okay. Donc où vous soyez, vous me trouvez. Voilà. On va dire ça comme ça. Vos petites ambiances vibratoires le matin, voilà. Et puis, voilà, ça dure une minute max. Comme voilà. Ça, à la base, c'était un format que j'avais fait pour TikTok et que on est réduit sur le temps, ouais. Et que les gens n'ont pas forcément la patience de taper des vidéos trop longues. Une minute, voilà, une minute de guidance. C'est rapide, c'est complet. Et voilà, ça ne mange pas de pain. Et on est bien. Like. Vous mettez un petit like sous la vignette de Muriel. Et puis, bien sûr, vous mettez un petit... Vous pouvez mettre vos retours aussi. Hein. J'ai eu quelques retours sur YouTube. Voilà, voir si ça se tient, ce que je dis. Hein, c'est intéressant. Mmh. Ou si ça ne se tient pas. Hein. Bien que chaque personne porte sa propre vibration, va réagir plus ou moins à l'énergie. Voilà, mais c'est la grande tendance. Voilà. Qui flotte dans l'air. Bon, super. Donc voilà, non seulement vous likez chez Muriel, mais vous likez aussi chez Piti, hein, bien sûr. Voilà, vous mettez un petit pouce vers le haut ce soir. Hein, n'hésitez pas à liker. Pourquoi ? Ben, pour que la vidéo soit mise en avant, qu'on ait de plus en plus de monde sur les lives. Vous vous abonnez aussi.
Pourquoi s'abonner? Ben, pour la simple et bonne raison que si vous n'êtes pas abonné, vous n'aurez pas accès au chat, et pour mettre votre numéro de téléphone, il faut être abonné pour pouvoir accéder au chat. C'est, voilà, c'est un abonnement qui ne coûte rien, c'est totalement gratuit. Donc, si vous voulez tirer au sort ce soir pour une voyance, c'est très important de le faire. Également, vous pouvez cocher la petite cloche des notifications pour être tenu au courant des prochains lives que je vous propose. Et notamment, on se retrouve, je vais la mettre en grand écran comme ça, on verra mieux. Hop. On se retrouve le 23 avril en compagnie de Marion, de la chaîne Marion Intuition Guérison. Voilà, une super voyante aussi, hein, qui viendra nous combler de sa présence pour cette soirée du mardi 23 avril à 20h30. Donc, notez-le dans vos agendas. Également, je vous propose une formation à l'oracle Béline qui aura lieu en présentiel à la Caverne au Grimoire le 13 avril. Voilà, prochain, hein, dans une quinzaine de jours, même pas. Donc, à 14h30, il faudra vous rendre sur place avec votre oracle Béline, hein, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Caverne au Grimoire pour réserver votre place pour la formation oracle Béline du 13 avril. Et également, on se retrouve aussi le 11 mai à 14h30 aussi à la Caverne au Grimoire, aussi en présentiel pour l'initiation au tarot de Marseille que je vous propose ce coup-ci, voilà, les 22 lames majeures. Donc, n'hésitez pas, pareil, à vous rapprocher de la Caverne au Grimoire pour réserver votre place, c'est important. Et voilà, c'est des places limitées, donc faites-le, c'est important. Voilà. Et t'en as oublié, hein? J'en ai oublié, hein? Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mais c'est normal parce que c'est pas sur ta chaîne, c'est sur la chaîne Céleste. C'est vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. C'est le vendredi 3 mai. Oui, on sera vendredi. Encore tous les deux pour changer. Exactement. On est encore en duo. Oui, exact, je l'ai oublié. On est encore en duo, voilà, avec Muriel le vendredi 3 mai sur la chaîne Céleste. D'ailleurs, qu'on embrasse, voilà, on embrasse très fort. Soyez au rendez-vous également, on y sera, et comme on n'est pas chez nous avec Muriel, on se lâche plus, on fout le bordel. On gère pas la moto et on gère pas la moto et tout, on arrive, on met les pieds sous la table. Voilà, exactement, c'est encore mieux. Bon, eh bien écoutez, merci aux nouveaux arrivants là qui viennent en cours de route, hein, s'installer. Voilà, ben on a doublé le chiffre, on n'a même pas commencé, on est déjà à plus de 60 personnes, c'est super. On va commencer notre soirée, si tu veux bien, Muriel. Oui, écoute. On est là, on n'a rien à faire, on va peut-être y aller. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite avec Kikinou, hein, qui est né le 5 mars 1967. Allez, c'est parti, on va l'appeler tout de suite. Kikinou ? Ouais, Kikinou, ouais. Pas parti pour Kikinou, alors. Allez, c'est parti. Pas avoir que des bonnes choses avec Kikinou. Mais bien sûr, mais c'est, voilà. Avec un pseudo pareil. Ça peut être plus magique, exactement. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle, hein, que les numéros de téléphone sont effacés du chat à la fin de l'émission. Donc, n'ayez aucune crainte, hein. Vos numéros ne restent pas sur YouTube, voilà, indéfiniment. C'est simplement le temps du live, hein, le replay. Il n'y a absolument rien qui s'affiche. Allez, c'est parti. Pour Kikinou. J'adore. Bonsoir Kikinou, comment ça va? Alors c'est Christine. Eh oui Christine, comment ça va Christine? Ça va, oui. Ça va très bien, je suis contente. Bon super. Oh, quel joli accent, je suis contente. On est bien. Christine déjà, rappelle-moi. Toulouse. À Toulouse, oui, la ville rose, exactement. Bon, très bien. Un peu loin de vous, quoi, mais bon. Oui, mais ça, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, quand on pourra le faire, j'aimerais bien le faire d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas, ça peut être un beau projet de bouger un petit peu dans les villes de France. Ouais. Mais bon. Il y en a qui le font, là. Ouais, il y en a qui le font, mais il faudrait encore quelques abonnés de plus. Et puis on tentera le coup, ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est vrai que faire Lyon-Toulouse, bon après je le ferai volontiers pour aller te voir que toi, hein, mais bon écoute, voilà, c'est comment te dire.
S'il y a plus de monde, c'est que mieux. Bon, très bien. Bah, écoute, voilà, je viendrai te voir. Alors, pas de souci. Allez, allez, je vais prendre tout de suite la, donc, la première consultation. Muriel reprendra derrière. Donc, le sentimental, tu voulais voir, c'est ça ? Ben oui. Calme plat. Oui, calme plat. Ouais, il y a. Par contre, je tiens à le dire, ce que tu m'avais dit pour mon achat d'appartement et ma vente d'appartement, ça s'est passé. D'accord. Ok, bah super. Voilà. Bah, impeccable. Très bien. Bah, merci en tout cas de ce gentil retour. Vraiment, ça fait plaisir. Alors. N'oublions pas que le mois d'avril commence, hein, le printemps arrive, les hormones vont un petit peu travailler, donc c'est peut-être la bonne période justement, pourquoi pas, pour le sentimental. Hein. Donc c'est parti, on va regarder. Allez, pour le sentimental s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'est abonnée, elle s'appelle Winnie. Oui. Et la dernière fois, j'avais voulu lui laisser ma place, mais elle n'a pas été prise à la porte. D'accord. Bon, bah écoute, c'est noté, c'est dans un coin de la tête. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec la découverte et l'accident. Alors, l'accident, c'est une lame, hein, rien de bien méchant. C'est une lame surtout qui nous dit que finalement, l'événement, la problématique par rapport au sentimental que tu peux avoir, c'est une problématique qui pour moi et pour l'oracle, hein, te fait travailler, te fait avancer sur certaines choses. Alors après, ça peut être aussi la période qui voulait que, comme je te disais, hein, je le sens bien comme ça. Voilà, il y a la découverte derrière. La découverte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une longue vue, donc on te demande de regarder plus loin, plus large, plus espacé, ouvrir le champ des possibles, comme on dit. Donc, peut-être, voilà, il faut regarder les choses avec en tout cas la sagesse, du recul, hein, nécessaire aussi, parce qu'on a une chouette, hein, qui est juste là dessinée sur cette illustration. On va regarder ce que veut nous dire le tirage, mais on voit que tu as les outils, hein, tu as les ressources nécessaires pour sortir de tout ça. Par contre, on peut être notre propre ennemi. Donc, méfiance à aller chercher un petit peu ce qui peut bloquer, ce qui peut un petit peu restreindre les choses. Et on a la paix aussi qui est là. Donc, je pense qu'en levant certaines choses, ça t'amène la paix et ça t'amène aussi la guérison par rapport au sentimental. Et après, on a une lame d'héritage qui nous dit que on récolte un petit peu ce que l'on peut mettre sur notre chemin, d'accord ? Personnellement. Je suis d'accord. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise aussi à faire. Il y a quelque chose à lâcher, d'accord ? Par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qu'on a pu te faire. Il faut un petit peu lâcher là-dedans. Ouais. Ouais, ouais. Et on a la passion qui revient. Donc voilà, il y a un petit cheminement à faire encore. Bon, c'est sûr que c'est. De toute façon, tant que c'est pas. J'ai envie de dire, tant que la boucle n'est pas bouclée, malheureusement, les choses ne se décantent pas forcément en temps et en heure comme on voudrait. Mais en tout cas, la voie est tracée et tu vas y arriver. Tu vas arriver à passer au-dessus de certaines choses pour arriver vers le final. Voilà, une carte vénusienne et une carte de passion. C'est plutôt OK. Il y a des choses un petit peu à aller chercher en toi, mais tu es sur la bonne voie. Donc, continue tes efforts, continue un petit peu tes réflexions, continue tes introspections. Va dans le bon sens et il n'y a pas de raison que ça ne matche pas à terme. OK. Bon, okay. C'est sympa, Piti. Merci beaucoup. Mais je t'en prie avec grand plaisir. Je te passe tout de suite la grande... Yeah. La merveilleuse, l'exceptionnelle, l'incomparable. Je continue longtemps comme ça. Bonsoir, Kikinou. Alors, Kikinou, ça n'a pas été simple, hein. Un chemin très chaotique, hein. Kikinou. Ah, oui. Mais par contre, effectivement, comme disait, bon. Il y a des désirs, des envies, effectivement, ce mois-ci, qui remontent à la surface. Et c'est normal. Et c'est très bien parce que ça t'offre l'opportunité, effectivement, de reconnecter à cette fameuse féminité, à cette fameuse douceur. Il va falloir apprendre
à déposer les armes, hein, Kikinou. Hein. Et c'est surtout, effectivement, il y a encore un travail à faire, d'accord, de communication, mais je dirais plus personnel, c'est-à-dire de savoir exprimer au point de vue de ton émotionnel, de ta sensibilité. Oui, oui, c'est dur avec la timidité. Hein. Voilà, mais. Voilà. Donc, je rejoins Petit sur ce qu'il a dit, effectivement. Hein, il y a tout un travail. Voilà, c'est surtout ça. C'est, t'as pas un travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail de développement personnel à faire sur toi. Le job, il est fait. D'accord ? Ouais. Ça, tu lâches. Hein, essaye pas de devenir plus blanc que blanc. Le washing, on arrête, c'est bon. Tu as fait le job. Par contre, ce qui est important maintenant, c'est un travail d'acceptation et d'appréciation de toi-même. D'accord ? Tu sens la nuance ? Oui. Je les comprends. Voilà, tu le comprends, Kikinou. Voilà. Mais ce qui est bien, parce que ça va bouger quand même assez rapidement. D'accord. Donc, il devrait avoir pas mal de compréhension, de prise de conscience. Encore une fois, parce que ça, c'est ton truc, les prises de conscience et les changements. Hein. ça bouge beaucoup dans la cabeça. Mais alors, ça va. Disons que tu y verras déjà beaucoup au niveau de cette acceptation. Je pense qu'on l'aura bien avancé dès le mois de mai. D'accord. D'accord. Alors, on est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Voilà. Et en juillet, par contre, là, au niveau énergétique, entre justement l'ambiance de ce mois de juillet et l'ambiance de ce mois, par contre, pour toi, est vraiment favorable justement pour rencontrer cette personne. Si tu ne rencontres pas cette personne de façon n'écrainte, parce qu'une chose au moins sera sûre, c'est qu'à ce moment-là, tu te seras enfin rencontré, toi. Oui, c'est tellement beau. Tu vois, ouais. Donc là, le taf, il est fait. Voilà, c'est-à-dire que tu seras plus… C'est soit tu rencontres la personne, soit déjà tu ne seras plus dans cette attente, ce besoin. Disons que tu vas te satisfaire de toi-même. Tu vas t'aimer, tu vas t'apprécier. Oui, tu vois. C'est ça. Okay. C'est ça qui en découle, de, qui va en découle. Et en plus, bon, on est du même mois. Hein. Donc nous, dès que le soleil revient, hein, dès que le soleil revient, on est bien. Ouais, c'est ça. Depuis tout. Voilà, mais voilà, le travail, de toute façon, c'est ton truc. Tu vas très vite, tu avances très vite sur les prises de conscience, donc le truc va se faire très vite. Là, effectivement, ça travaille plus ici, là, en bas. Hein. Voilà, hein, donc les désirs et tout arrivent, et c'est une bonne chose, c'est-à-dire que l'énergie circule. Oui. Voilà. Ouais, tu vois, c'est, il y a quelque chose, c'est bien. Voilà, mais tu vas prendre conscience. Ça va monter très vite, voilà. Donc, voilà. Le 6 juillet, quoi. Ok. Merci. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. On t'embrasse, Kikinou. Et puis, gros bisous. Et puis, à très bientôt. Bisous, et puis je... Voilà, on arrive bientôt avec Pitou, Kikinou. Voilà, on arrive bientôt. À dos de Wawa. Voilà, dos de Wawa dans la Garonne, hein, c'est ça. Allez, merci à toi. Bonne soirée. Allez. Bonne soirée. Voilà, très sympa, Kikinou. Très sympa. C'était super. J'ai bien aimé, Kikinou. Bon. Allez, on continue. Vous êtes nombreux et nombreuses, hein, à laisser vos numéros ce soir. Merci. Voilà, 70 personnes sur le chat. Magnifique. On est bien. On est bien. On continue tout de suite avec, on va appeler Mélodie. Tiens. Mélodie qui est née le 16-08-1900. Ça fait vieux quand on dit 1900, je trouve. 1989. Ouais. Le 16-08. Le 16-08, tout à fait. Merci bien. Allez, c'est parti. De votre confirmation, cher monsieur. Je vous en prie, madame, c'est avec grand plaisir. Voilà. Hop. Et c'est parti.
Bonsoir Titi. Bonsoir Mélodie, comment ça va? Ça va et toi? Ben ça va, merci. Alors là, on fait carrément un grand écart entre Toulouse et tu es d'où toi? Du Nord, mais d'où? Pas de Calais, de Lens. Ouais, pas de Calais, ouais. Donc on fait vraiment un grand écart là, pour le coup. Alors, Mélodie, voilà, ce soir avec Muriel, hein, qui est en train d'ores et déjà de calculer ta géométrie consciente. Donc, tu vas voir, c'est quelque chose de plutôt sympa. Ça amène beaucoup de réponses intérieures, surtout. C'est qu'en plus, aujourd'hui, j'ai beaucoup regardé ma numérologie, mon chemin de vie. J'étais en année 5, chemin de vie. D'accord. Ah ouais, mais je ne fais pas de la numérologie. C'est dommage. Mais ouais, c'est-à-dire, si tu cherches des points de comparaison et tout, machin, la manière dont je calcule, surtout la manière dont je l'interprète, on va dire, on n'est pas dans de la numérologie. Non, j'ai bien compris. Ouais. Voilà. Allez Mélodie, bon bah je vous laisse entre girls. Allez, c'est parti. Et puis je reprends juste après ce que tu auras dit Muriel. À tout de suite. À tout de suite. Alors, je t'écoute pour ta question. Eh bien, écoutez, j'aimerais sur du sentimental. Sur du sentimental. D'accord. J'ai l'impression que le soleil donne envie. Ouais, ça. On est bien. C'est la sève, ça monte, hein, que je te dise. Voilà. Alors, le sentimental, c'est pas pour ce mois-ci et c'est pas pour cette année non plus. Il y a vraiment. Je suis désolée. Hein. C'est pas toujours comme ça. Mais... j'essaie de voir. Parce que t'es assez déconcertante, Mélodie. C'est pour ça que je bloque un peu. T'es un petit peu déconcertante. Parce que t'es très. T'es comme scindée. T'es scindée. Voilà. Il y a une part de toi qui fuit quelque part. Dans sa tête, dans son monde, et une part de toi qui est vraiment très 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 ancrée, d'accord, et c'est pas un reproche, hein, c'est très bien, il le faut. Voilà, un côté très matérialiste et un côté très spirituel, c'est ça ce qui est drôle, c'est que c'est tout l'un ou tout l'autre, tu vois, et c'est comme si en fin de compte tu étais en équilibre, tu cherchais une harmonie, voilà, mais que pour l'instant, tu vivais un peu comme ça, tu vois, un coup trop l'un, peut-être un coup trop l'autre, ce qui peut être assez gênant justement pour permettre d'avoir, de trouver la relation idéale. Ce que je peux, parce que cette année vraiment, ce qui est amené, c'est un gros brassage au point de vue de ton intériorité et au point de vue de tes émotions. Je pense que ça peut travailler même au point de vue peut-être de trauma. Hein, en lien avec guérison. C'est en plein quoi, j'ai pas entendu, excuse-moi. En pleine année de guérison. Voilà, il y a tout ce travail-là à faire qui est au point de vue du féminin, d'accord, qui est en lien, qui est l'arrivée d'eau directe, c'est le principe de jouissance, donc le principe de plaisir, le principe justement d'abondance de la vie, tu vois. Donc il y a vraiment effectivement ce travail-là. M'arrête. Pardon, il me déconcentre. Voilà, il y a vraiment effectivement un travail à faire en bas, hein, tout l'appareil reproducteur. Donc, ça peut être soit que ce que tu as vécu dans ta vie, mais ça peut être en lien aussi beaucoup avec le transgénérationnel. Hein. Donc, ça touche vraiment. C'est comme s'il y avait un blocage ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce truc de réharmonisation, de nettoyage qui se passe actuellement, qui nécessite que cette année, vraiment, en fin de compte, toute l'attention doit être portée sur toi pour éviter de tomber sur des relations qui ne te seraient pas favorables, qui risquent encore à avoir des prises de pouvoir. On va rentrer sinon encore dans un jeu de dominant ou de dominé. Tu vois, et toi, c'est parce que tu veux, c'est parce que tu recherches. Voilà, c'est vraiment ça
que moi je perçois. D'accord? Mais par contre, voilà, il y a, t'as bien avancé, hein, ça a bien bougé déjà, mais c'est marrant parce que, alors avec moi, tout est marrant ou rigolo, c'est un tic de langage. Voilà, mais j'ai l'impression que le travail est fait, mais que, comme si qu'il y avait besoin d'une intégration. On me montre comme s'il fallait que les choses se tassent et retombent. Tu vois l'image? Voilà. Et, c'est ça, donc de la patience. De la patience, mais dès l'année, voilà, l'année prochaine, ça change. Il y a vraiment un gros changement, par contre, sur l'année prochaine. Et là, par contre, tu seras prête. D'accord? Tu vas passer vraiment à un niveau supérieur au niveau du relationnel. Tu auras vraiment guéri beaucoup de choses. D'accord? Donc, c'est pas cette année, je suis désolée. Là, cette année, c'est toi, c'est toi. Je peux te conseiller là-dessus. Tu peux te lancer, bouger ou surtout le jardinage. Ça te faire beaucoup de bien. Ouais, mets les mains dans la terre, tu vas voir, ça te fait vraiment. Il n'y a rien plus sexuel que de la terre. Je sais. C'était mon conseil jardinage du jour. Appelons que on est des signes de terre. Donc, terme, effectivement. Mélodie, donc pour moi, avant d'aller planter les poireaux. Pardon? Voilà ce qui sort donc de mon côté. On a effectivement, donc je rejoins Muriel sur ce qu'elle t'a dit. J'ai une lame de plaisir et la lame de hasard qui est sortie à côté. La lame de plaisir, elle nous dit effectivement de penser à toi, de te faire du bien, de te faire plaisir, de faire des choses que tu aimes, des choses qui te passionnent. Voilà. Alors attention, hein, je te demande pas d'aller dépenser des milliers, des cents, bien sûr, mais voilà, des petites choses sympas qui demande pas forcément un gros investissement ou beaucoup, beaucoup de temps, mais de penser à toi un petit peu dans la journée. On a le hasard qui est là, et le hasard, c'est l'équivalent au tarot de Marseille du chariot. C'est cette lame où on a une espèce d'Égyptien qui tient deux chevaux, un rouge et un bleu, qui sont en train de regarder dans deux directions différentes. Effectivement, ça nous dit que tu es à la croisée des chemins. Donc, La patience est de mise effectivement dans cette croisée des chemins, parce que tu vas prendre une route et tu prendras celle qu'il faut. On a l'inconstance qui est là aussi un petit peu sur un lâcher prise. Donc on te demande de lâcher prise sur une situation qui t'apporte de l'inconstance, Mélodie. Voilà, je te connais, je sais qui tu es. Je pense que tu as absolument tout l'avenir, un avenir rayonnant devant toi. Il n'y aura pas de difficulté pour toi au niveau sentimental dans les mois ou, voilà, ou peut-être l'année prochaine, comme dit Muriel. Donc, profite de cette année, de ce moment pour justement, voilà, penser à toi, effectivement, être méga égoïste, en fait, finalement, parce que il se passera peut-être pas grand-chose d'ici l'année prochaine. Donc, alors, attention, hein, je ne te dis pas, tu peux tomber en travers sur une personne qui te fait craquer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut vraiment que tu profites de ce temps imparti, qui t'est imparti, pour vraiment recentrer des choses, te faire plaisir, te faire évoluer, laver certaines choses qui peuvent être un petit peu dans le mauvais sens en toi, parce que derrière, voilà, j'ai la campagne santé. La campagne santé, c'est une lame de convalescence. Hein. Donc, c'est la lame de convalescence par excellence. C'est le temps de... On a une petite maison de campagne, voilà, c'est le temps de prendre du temps, justement, de prendre le temps, de contempler, de faire toutes ces choses-là qui apportent vraiment du bien et de la sérénité. Donc, autant accepter la situation, Mélodie. Comme je te dis, tu as tout ce qu'il faut pour trouver quelqu'un derrière et qui t'apportera certainement tout ce que tu mérites. Mais pour le moment, pense à toi, fais-toi plaisir et va dans ce sens-là et tu verras, justement, ça pourra peut-être même débloquer certaines choses et ça pourra peut-être même arriver plus vite que prévu. Donc voilà pour moi. C'est ouais. Vraiment ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai décidé de penser à moi. Et ce n'est pas être égoïste. Pour une fois, je ne suis pas égoïste. Bien sûr. C'est vraiment penser à moi et profiter. Et tout ce que je n'ai pas pu faire jusqu'ici, en fait, j'ai envie de le faire. Ben voilà. C'est le moment, en tout cas. Et comme, ouais, c'est exactement ça. Et comme nous dit Nathalie dans le chat,
Le poireau, c'est la vie. Voilà. Bon. Je ne vais pas partir plus loin, j'allais répondre quelque chose, mais c'est fermé. En tout cas, bah écoute, je t'embrasse, on t'embrasse. Merci de ta fidélité à la chaîne, en tout cas, Mélodie, parce que je sais que ça fait pas non plus 3 ans que tu es là, mais on te voit beaucoup sur le chat et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, c'est un retour de l'investissement de notre travail et vraiment, merci à toi d'être là, en tout cas. Il n'y a pas de souci, Titi. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Muriel. Bonne soirée. Continuez comme ça. Merci. On va essayer, on va essayer. À bientôt. Je ne sais pas comment ça va finir, c'est la deuxième personne seulement. C'est vrai. Mais on va peut-être un petit peu accélérer parce qu'on ne va pas pouvoir malheureusement passer tout le monde. Hein, comme, voilà, vous le savez, malheureusement, voilà, c'est du temps, enfin c'est du temps, oui c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est beaucoup de choses comme ça, donc voilà, on va faire notre maximum, on va appeler tout de suite Sylvie, allez c'est parti, et puis je vous rappelle, voilà, si vous voulez une consultation personnalisée, approfondie, détaillée, hein, vous n'hésitez pas à nous contacter avec Muriel, hein, voilà, on ne va pas vous manger, hein, voilà, on va faire juste la même, enfin, des choses plus détaillées justement, mais en tête à tête avec vous, donc c'est quand même vachement plus enrichissant pour vous, pour nous. Voilà, c'est ça vous apportera certainement beaucoup plus de réponses que sur un live, ça c'est certain en tout cas. Allez, c'est parti. On va appeler Olivier, pardon, Muriel. Donc, c'est le 13-08-1966. Attends-moi. Le 13-08-1966. D'accord, merci. Et juste après, on appellera Sylvie. Allez, c'est parti pour Olivier. Allô. Bonsoir, Olivier. Bonjour, Priti. Comment Bonjour. Ça va Bonsoir. Bonsoir, très bien. Je suis très content qu'on m'appeliez. Ben écoute, voilà, tu as été tiré au sort, donc merci au hasard et à la chance. Super, oui, merci au hasard. Allez, je vais prendre la guidance dans un premier temps, le temps que Muriel te fasse ta numérologie, enfin ta géométrie, pardon, consciente, on parlait de numérologie juste avant, mais c'est la géométrie. Et puis je reprends juste, pardon, Muriel reprendra juste derrière. Allez, c'est parti. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu aimerais développer, Olivier ? J'aimerais savoir comment professionnellement et puis déménagement, parce que c'est lié. Ouais. Si ça va bien se passer, normalement c'est obligatoire dans les pays. D'accord. Donc voir. J'ai trouvé quelque chose. D'accord. Au niveau qui me permettra de travailler chez moi. Ok. Donc on va regarder par rapport, on va regarder s'il y a du mouvement déjà. Hein, oui. Pour toi. Et s'il y a du mouvement, logiquement, ça devrait coller avec le travail. Allez, c'est parti pour Olivier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a du mouvement, s'il vous plaît. Allez. C'est le moment. Ouais. Là, pour le moment, il y a un blocage. Hein. Pour le moment, il y a quelque chose qui bloque, Olivier. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, j'ai la stérilité, j'ai le feu à côté. Donc, la stérilité, c'est vrai que la situation, elle est bloquée. Tu ne sais pas par où aller pour te sortir de tout ça. Derrière, on a le feu. Le feu, c'est des prises de bec, des choses comme ça. Il y a eu des embrouilles ou des choses comme ça au niveau du travail. Oui, non, parce que en fait, je travaille tout seul, mais ça, tout risque d'être compliqué si je n'ai pas le logement adéquat, en fait. Ouais. Et au niveau de. Tu voudrais bouger sur où? Tu voudrais partir loin de chez toi ou de loin d'où tu es, du moins? Non, justement tout proche, parce que les élèves sont vraiment. Ouais, ils sont pas loin.
Il y a quelque chose qui est bloqué, je trouve. En tout cas, il y a du changement et on a l'ennemi, Alors, on peut être parfois notre propre ennemi sur certaines choses, mais ça peut être aussi un ennemi dans la matière. Il y a un changement par rapport à ça. Et après, on a l'héritage. Et l'héritage, on récolte ce qu'on sème, mais c'est une carte de temps aussi, de transformation. Donc, il y a des choses qui sont bloquées. Alors, soit on n'est pas très bienveillant avec toi autour et on peut te mettre des bâtons dans les roues. Soit il y a intérieurement, il y a des choses à aller chercher en toi pour les sortir et mettre un coup de balai, en fait, avec des blocages, des choses qui peuvent bloquer, qui sont peut-être inconscients, hein, qui ont pu arriver. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des choses comme ça. Hein. Ouais. Je pense que je bloque moi-même des choses et ouais. Peut-être même si c'est toujours conscient. Ouais, on va voir ce que va dire Muriel, mais bon, en tout cas, on a quand même un changement au milieu, donc rien n'est perdu, hein, les choses bougent parce qu'on passe d'un état lunaire à un état solaire, donc c'est plutôt positif. Mais il y a quand même du blocage vis-à-vis de tensions, de choses comme ça, peut-être du passé, des choses qui... Voilà, des choses qui ont pu faire mal ou des choses qui ont des prises de bec qui ont pu être mauvaises pour toi, pour ta manière de d'avoir confiance, toutes ces choses là donc fais attention, essaye de gratter de ce côté là je te laisse avec Muriel voir ce qu'elle va nous dire. Merci beaucoup, Piti. Je t'en prie. Coucou Olivier. Coucou Muriel, bonjour. Bonsoir. Alors, effectivement, ça bloque, mais c'est toi qui bloques. Oui, Bonne nouvelle. Voilà, que ce soit toi, au moins c'est sur place. Voilà, c'est pas l'extérieur. Alors, ton activité, pour moi, c'est une activité. Tu crées ton activité. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Dans ta vibration, tu es un entrepreneur né. Hein. D'accord. Oui. Tu aurais posé une autre question que le travail, j'aurais dit il y a un problème. Entre ton 4-8-4, c'est mon travail et tout, ma localisation, il faut que je bouge, tu es dans la bonne énergie. D'accord. C'est-à-dire ton idée, elle est bonne. Oui. D'accord. Ton idée, elle est bonne, même si elle peut sembler atypique, peut-être pour certains ou même pour toi-même. En te disant peut-être c'est trop fou, c'est trop pas possible, c'est trop ce que disons que tu es très très sensible. Il porte une hypersensibilité, il y a un côté très artiste aussi, artisan, voilà, côté de l'artisanat. Et en même temps, il y a cette puissance de manifestation, de leadership aussi qui est très présente. C'est vrai qu'il y a un côté très très doux et un côté très très dur. C'est un bon rocher Suchard. On va dire ça comme ça. Pardon, je suis d'humeur joyeuse ce soir. Donc, effectivement, en fin de compte, c'est oser assumer ta singularité peut-être dans cette société. C'est peut-être ça que tu as du mal à dépasser. Dans l'énergie, moi, c'est comme ça que je l'interprète au niveau des chiffres que je vois. Parce qu'il y a besoin d'harmonisation. Effectivement, il y a le principe d'indépendance et le besoin d'harmonisation, d'accord. Mais disons que tu as les bonnes idées, crois en toi, si tu as les bonnes idées, hein, cette fameuse petite voix qui te dit des choses que ton ego peut te dire c'est fou, non, écoute cette petite voix parce que tu tiens vraiment quelque chose, hein, point de vue professionnel, mais peut-être aussi prends-tu, et ça c'est normal parce que c'est ton 8 et quand il est distorsionné, il aura beaucoup peur du matériel, il a peur de manquer. Et c'est normal, oui. Hein, on ne jette pas la pierre, yes. On peut être des êtres spirituels, mais l'argent c'est important, normal. Donc, mais je pense que peut-être que tu perçois la situation peut-être pas dans le bon sens, que pour moi le lieu et le travail sont en lien, d'accord. Donc, pour moi, ça serait plutôt développe plus, prends plus par le côté travail et va en découler le logement.
Alors que toi, je pense que tu fais l'inverse. Tu as compte sur logement pour l'activité. Tu vois ? Oui, c'est ça. Prends par l'autre biais. Et, d'accord, tu vois le truc ? Voilà, je mise plus sur ce que je fais, sur ce que je crée. Et ceci va apporter, en fin de compte, le logement. D'accord. Au niveau énergétique, ça passera mieux de cette manière-là. D'accord ? Donc, alors, j'ai noté plein de trucs. Et c'est le bordel sur ma feuille. Voilà, mais c'est surtout ça. C'est, en fin de compte, c'est, tu recherches peut-être encore une légitimité en toi. Aussi, oui, je pense. Donc, je te dis, c'est bon. T'es certifié, Manu. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est certifié, d'accord. Il y a peut-être, il y aura peut-être besoin ou il y a une histoire de formation. Oui. Il y aura du mouvement au mois de mai. Au mois de mai, ça vraiment bouge. D'accord ? Arrête de vouloir la perfection. Arrête de vouloir que tout soit parfait. Ouais. Parce que ça, c'est ton truc, hein. Monsieur, je coupe les cheveux en quatre, t'arrêtes aussi avec ça. Hein. D'accord ? Ouais. D'accord ? Et normalement, là, tu devrais planter les graines. On va rester. On va pas planter le poireau, là, on plante les graines. Bon. Pardon ? Voilà, disons où ça va porter effectivement ses fruits au point de vue du travail, etc. Là, au mois de juin, ça devrait bouger quand même. Mais le blocage vient de là, c'est que tu ne prends pas le bon bout. En fin de compte, c'est les peurs à court terme du manque de ton ego qui te bloquent ou tu t'auto-bloques. Vois à long terme avec ton côté justement très, très créatif. Et tu vas voir que là, le logement, ça va découler tout seul. D'accord. D'accord ? Prends okay. Par ce biais-là et tu verras que ça marchera dans ce sens-là. Très bien. Voilà, Olivier. Okay. On espère que ça aura un petit peu répondu à ton attente. Oui, énormément. Merci infiniment. Merci à toi. Avec plaisir, Olivier. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Très sympa, Olivier. Bah oui, bah, y a que des gens très sympas ici. Hein. C'est un lion, 8, hein, c'est ça. Hein. 13-8. Il me semble, je suis nulle, moi, en signe. Oui, c'est vrai. J'ai oublié. Donc... Je suis nulle en numérologie et en astrologie. Et en cartes, voilà. Tout ce qui est pratique, je suis très nulle. Je connais que dalle, hein, pas me demander. Allez, ce coup-ci, on va aller voir notre Sylvie. Alors. C'est parti. Sylvie. Donc voilà, Sylvie, on arrive. Nous voici, nous voilà. Alors, hein, Muriel, je sais que c'est pas évident pour toi, mais si on veut passer le plus de monde possible, je dirais, il faudrait peut-être un petit peu raccourcir les débats. C'est ça, je suis trop généreuse. Mais tu es généreuse, mais c'est pour ça qu'on t'aime, mais et puis pour d'autres choses aussi. Mais... Ah bon. Ok, je vais faire plus vite, Bon, parce que c'est important pour Olivier de comprendre ça. Voilà. Oui, non, mais tu as raison tout à fait. Mais c'est vrai que après, le problème, c'est qu'on n'aura vraiment pas le temps de passer énormément de personnes. Du coup. Bah, balance la date de naissance, là, au lieu de traînailler. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Voilà. Donc, on va lui demander en direct. Oui, je traînaille parce que voilà, je fais la pieuvre. Hein. Tu sais, j'ai mon cerveau qui est coupé en quatre. Une main sur la souris, une main sur le téléphone, un cerveau avec toi et une moitié de cerveau sur les écrans. Voilà, donc c'est pour ça, tout ça en m'étant levé à 4h20 du matin. Mais je ne veux pas savoir, ce n'est pas notre problème. Oui, non, je sais que ce n'est pas votre problème. Mais bon, j'essaie de me trouver des excuses, voilà, pour ma nullité. Bon. Mais non, là, carrément, miskine, l'autre une façon miskine. Vas-y. Bonsoir Sylvie. Ah, bonsoir Piki. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous entendre. Mais avec plaisir partagé. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Muriel. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous m'appeliez. Eh ben super, nous voici, nous voilà. On s'invite chez toi, voilà, avec Muriel. Tu es dans quel coin, Sylvie? Je suis à côté de Bordeaux. D'accord, ok. Donc ouais, on bouge. Ouais, on était vers Toulouse, après vers Lens, et nous voici vers Bordeaux.
Voilà, c'est ça. Vous allez faire le tour de la France. Voilà, c'est super. Voilà. C'est parfait. Allez, Sylvie, donc, est-ce que tu peux nous donner ta date de naissance pour Muriel, s'il te plaît? Oui, 24. Oui. 04 64. Ok. Tu te quatre. 24 64. Allez, oui. Je te laisse en compagnie de Muriel pour commencer. Et, je reprendrai la guidance juste derrière. D'accord, merci Piti. Je t'en prie. Je t'écoute, Sylvie. Oui. voilà, moi, ce serait professionnel. D'accord. Là, je vais avoir l'opportunité de pouvoir faire autre chose professionnellement. Et je voulais savoir, je voudrais travailler en fait, vers l'étranger, aller vers le Maroc. D'accord. Et je voulais savoir si vous pensiez que c'était une bonne idée de pouvoir faire ça. Alors, je vais péter jusqu'au bout du bout. Et qu'est-ce que tu veux faire au Maroc? En fait, moi, je voudrais essayer de prendre un riad en gérance. Ah, pardon, je n'ai pas entendu. Hein? Essayer de prendre un riad en gérance. Un riad, d'accord, en gérance. Oui. Ok. Oui. Oui. Bon, je sais que ça ne va pas être facile, mais je voudrais... Oh, il ne faut pas commencer comme ça. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'il faut quand même... C'est-à-dire que c'est... Déjà, pareil qu'Olivier, tu as l'esprit d'entrepreneuriat. J'ai mal à le dire, celui-là. Il y a ce principe de groupe, voilà, d'association. C'est une personne qui génère l'association autour d'elle et qui a besoin de contact, de fonctionner. Tu seras seule dans cette affaire ou il y a un associé? Non, pour l'instant, c'est un projet que je veux faire seule. D'accord. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident de se lancer d'accord. Comme ça. D'accord, d'accord. Bon, je vais passer la seconde sinon je vais me faire engueuler par Piti. Moi, je le sens bien. Je le sens plutôt bien, ce truc. Et tu as besoin d'action, tu as besoin de mouvement, les voyages et tout. Donc, pour moi, ça rentre bien dans ta vibration, sur ce que tu es. Tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. À première vue, je le sens pas mal du tout. Vite, on va aller voir un peu plus. 8, 10, 11. Pour moi, t'es prête? Pour moi, c'est oui. Bon. C'est bon. Ah, c'est cool ça. Pour moi, c'est bon. Voilà. Et voilà, non, pour moi, je sens rien qui bloque. Pour moi, c'est fluide. Pour moi, je trouve que tu es bien posé dans tes énergies. Donc, why not, hein? Oui, c'est ça, why not? Why not? J'espère. De toute façon, il faut que je parte positif parce qu'autrement, bien sûr, qu'il n'y aura jamais rien. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, pars pas en oui. Disant, voilà, non, ça te correspond bien et tout, machin, vas-y, vas-y. Voilà, bon, bah, super. Lui. Alors, de mon côté, voilà ce qui se passe. Merci, Muriel. C'était oui, rapide, c'est gentil. Oui, j'ai retenu la leçon. Alors, écoute, j'ai un tirage. Ouh là là, mon Dieu, mais quel tirage. J'en tremble pour toi. Hein. Donc, on a la réussite hein, qui ouvre le tirage. On a l'héritage, donc héritage, l'âme de transformation. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, l'âme qui nous dit qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, quand on y croit mordicus, on peut y aller, on peut foncer, on oui. Peut déplacer des montagnes. D'accord ? On a le trafic derrière, oui. Le trafic qui, elle, nous parle de deux choses, du caducé, mais dans ton cas, c'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire les échanges commerciaux, donc échange d'argent. Donc, c'est plutôt pour moi un commerce qui fonctionne. Derrière, on a la famille. Alors, la famille, dans ton cas, dans ce cas-là, dans cette problématique que tu as, moi, pour moi, c'est plus une notion de lâcher prise. C'est-à-dire, on a cette maman oiseau qui a les ailes écartées sur ses petits. Et elle couve beaucoup de choses, cette maman oiseau, et on lui demande de refermer ses ailes finalement pour que ses petits puissent aller faire leurs propres expériences, d'accord ? Laisser un petit peu de lest sur certaines choses. Et je pense qu'elle t'a adressé plus qu'à tes petits, cette carte. C'est-à-dire qu'on te demande voilà, d'un petit peu prendre ton envol sur la situation,
D'accord, d'arrêter de trop réfléchir et d'y aller, de foncer dès que tu pourras le faire en tout cas. Et derrière, on a la découverte qui arrive, la découverte qui nous parle de voir plus large, plus grand, plus loin pour toi dans ce projet, avec la chouette qui est au pied de cette longue vue qui nous parle d'une sagesse, d'une manière de gérer la situation qui est plutôt bonne. Et on a des papiers signés encore au pied de cette illustration. Donc pour moi, on est plutôt dans le vert que dans le rouge, quoi. Donc après, c'est ton libre arbitre, hein, c'est toi qui décides. Oui, bien sûr, mais il me semble que ça fait longtemps. Faire. Il me semble que ça fait longtemps que j'entends parler de cette triade. Et il y a un moment, il va falloir que tu te lances et que tu sortes de cette zone de confort, que cette famille là, on a avec cette lame de famille, cette zone de confort, parce que derrière, voilà, pour moi, il y a une réussite et puis. Comme on dit, il vaut mieux avoir des remords, des regrets dans la vie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu essayes. Essayer, c'est bien. Essayer des choses, c'est après on peut. Alors moi, je l'ai pas dans la lecture et Muriel non plus, mais je parle un peu au sens large et pour les abonnés également. Mais essayer, c'est bien. se planter, on peut se planter. On a le droit de se planter. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, mais c'est en tentant justement qu'on arrive à faire de belles choses dans sa vie. Donc il faut vraiment y aller pour moi. Et tu verras, il n'y a pas de raison que ça capote. Hein, ça sera plutôt même une belle réussite pour toi. Quoi. Non, mais ce serait génial. Comme ça, vous pourrez venir faire un tour là-bas. Ah, bah, plus non, bon. Bah, c'est ce qu'on allait dire. Nous, on s'inscrisse partout, hein, attention. Hein, après. Ouais. Mais oui, pourquoi pas faire un live en direct de Marrakech, ma foi, pourquoi pas, hein, voilà, avec grand plaisir, ça serait super. Hein. Le petit Marrakech, c'est après le Marrakech du rire, le petit Marrakech. Et tout. Il est Marrakech de la voyance. Le Marrakech de la voyance. Oui, mais ça peut être une idée. Ça peut être une idée. On tient un concept. Ah voilà, oui. Tu vois, on a déjà un concept pour faire venir du monde dans ton riad, donc c'est génial. Voilà, on t'embrasse en tout cas. Oui, merci Sylvie. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bon, ben nous voilà invités au Maroc. Muriel, n'oublie pas tes babouches. D'accord, promis. Voilà. Alors, continuons. Donc, Sylvie, c'est on OK. On lâche rien. On est sur la bonne voie. On va appeler Titi qui est du 24-4. Ah, 24-4, on n'a pas eu tout à l'heure, ça, 76. Non, il y a plein de 4, mais ça ne me parle pas, le 24-4, 76. D'accord. Non, on n'a pas eu 76. Non, on n'a pas déjà eu cette date de naissance. Non, elles sont toutes là, les dates de naissance. Ouais, tu confirmes, d'accord, merci. Ouais, je confirme. Effectivement, tu fatigues. Vous pouvez m'apporter un café, s'il vous plaît, merci. Bien. Alors, 76, hein, ouais, 4, 5, 6. Oui, 76. Ouais, ben moi, du coup. Allô ? Bonsoir, Titi. Bonsoir, Piti. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Ravie de te retrouver sur l'émission ce soir. Tu es dans quel coin ? Alors, moi, je suis dans le Doubs, à côté de la frontière suisse. Eh ben voilà, on a fait notre losange. Voilà. On a fait le tour de France. Exactement, on a fait le tour de France. Alors Titi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu aimerais développer? Quelle est ta problématique? Alors ma problématique est, comme beaucoup de personnes, le sentimental. Le sentimental. Et oui, je crois que ça y est, comme disait Muriel tout à l'heure, la sève monte, hein, les beaux jours arrivent. Et c'est une de mes périodes favorites, je vous avoue, parce que comme vous le savez toutes et tous, j'ai un grand penchant pour le sentimental dans les tirages. Donc moi, ça me ravit, je suis très content de faire ça en tout cas. Alors Titi, on en est où? On est en recherche, c'est ça? En recherche, enfin, tout est relatif, pas mais... forcément, mais voilà, j'ai eu du mal à accepter ma dernière rupture et okay. Depuis, j'ai eu beaucoup de mal à m'ouvrir à quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, ok. Alors, on a l'abondance et on a encore l'héritage, dis donc, elle sort à tous les coups ce soir. Carte du ciel, très bien. On a des pourparlers. On a l'eau, ouais, qui est là et qui nous apporte. Bon. Alors,
Titi, pour toi, donc on commence avec l'abondance. Donc l'abondance, c'est une belle carte, hein, c'est une carte qui nous promet en tout cas des jours meilleurs et des jours abondants. Donc c'est plutôt OK. Derrière, on a l'héritage qui nous dit, donc je vais le redire une nouvelle fois, qu'on sème un petit peu ce que l'on récolte. On récolte, pardon, ce que l'on sème. Excusez-moi, j'ai pris la phrase à l'envers. Oui, effectivement, donc c'est une carte de transformation. Donc effectivement, oui, s'il y a des choses qui sont encore un petit peu bloquées, qui ont besoin de sortir, qu'il faut un petit peu, qu'il faut arriver à passer outre. Effectivement, ça peut résonner sur le principe que voilà, il y a des difficultés à trouver une nouvelle personne, effectivement, parce que finalement, tu hérites. De ce sentiment, tu hérites de cette relation et malheureusement de cette transformation qui n'a pas eu lieu encore pour toi et de ce fait de passer à autre chose, quoi, tu vois. Donc il faut arriver de ton côté à trouver la force, à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir passer outre et justement pouvoir accueillir dans les meilleures conditions une future relation, parce que derrière, la carte du ciel, c'est un grand oui. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive à terme, d'accord. C'est pas, rien n'est perdu, hein, dans le sens où, voilà, il y aura quelque chose pour moi, c'est certain. Mais voilà, on revient encore sur des pourparlers. Donc, les pourparlers, c'est des échanges qui sont... Qui peuvent être houleux, c'est des échanges qui, voilà, où on a besoin de s'affirmer, on a besoin de dire les choses, on a besoin de... De confirmer aussi certaines choses. Donc, elle est placée après la carte du ciel, donc ça me fait dire que c'est peut-être dans le futur, donc ce sera une personne certainement avec qui il faudra que tu t'affirmes aussi. Hein, il ne faudra pas que tu sois en retrait ou quoi que ce soit, parce que non seulement c'est important, mais c'est peut-être une personne qui apprécie ça aussi. Et derrière, on a l'eau. Et l'eau, c'est une carte qui nous annonce une possibilité de bouger, de voyage. Et c'est une carte aussi qui est très liée à l'émotionnel. Donc ça peut être une relation qui peut être passionnelle, émotionnelle, qui arrive, mais il faudra t'affirmer, hein, justement pour ne pas être trop mangé, hein, par l'autre. Pour moi, voilà, y a, oui. d'un côté, l'abondance passera par effectivement ce changement, cette transformation qu'il faut que tu fasses. Derrière, il y aura rencontre, et derrière, par contre, voilà, il faudra que tu t'affirmes et que tu ailles dans le bon sens, parce que c'est une relation qui peut beaucoup jouer sur ton émotionnel. Donc voilà pour moi. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie, je te passe tout de suite, Muriel. Merci. Bonsoir, Titi. Bonsoir. Donc, je confirme ce qu'a dit Piti, comme ça on gagne du temps. Parce que c'est vraiment ce que je retrouve, moi, au point de vue des chiffres. Effectivement, il y a vraiment, parce que tu es une personne, une énergie, quoi. Tu portes une énergie qui a tendance, qui attire à toi, disons, pas forcément des bonnes personnes avec des bonnes intentions. A tendance à te faire un petit peu vampiriser énergétiquement. Un joli casse-croûte ambulant, Titi. Donc, effectivement, il y a tout ce travail émotionnel à faire. Ce rééquilibrage, cette harmonisation à faire, mais ça bouge assez vite. Effectivement, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui arrive là très prochainement, et moi je te le place au niveau du mois de mai, qui va être quelque chose d'un grand changement qui, au point de vue du relationnel, mais on s'emballe pas, Titi, hein. Surtout toi, les émotions, hein. Écoute ta tête, écoute pas tes émotions. Voilà, mais une chose est sûre, c'est que cette relation qui arrive très prochainement va te permettre effectivement de passer à un niveau supérieur, une meilleure maîtrise justement de ce relationnel. D'accord ? Donc, qu'elle vaudra ce qu'elle vaudra. Mais disons, voilà, ne te jette pas à corps perdu dessus, mais profites-en peut-être pour poser... clairement, on va dire, poser clairement tes exigences, je dirais même. Oui. Voilà. Tu comprends? Oui, avec une conjoncture, tu peux que me comprendre. Voilà, comme ça, c'est un reste entre nous. Voilà, Titi.
Voilà, Titi. Merci beaucoup, en tout cas. Mais merci à toi. On t'embrasse. Et puis, voilà, hein, la pensée est créatrice. N'oublie pas ça. Merci. Belle fin de soirée à vous. Encore merci. Merci également. Au revoir. Au revoir. Comment ça va, Muriel ? Ben, moi, ça va. C'est à toi qu'il faut poser la question. T'es tout pâle. Ah bon ? Ouais, c'est peut-être l'éclairage qui fait ça. J'ai l'impression que t'es tout blanc. Je prends un sucre, je sais pas, fais quelque chose. Je vais prendre ça, t'as raison. Bon. Ouais, t'es tout blanc. Non, mais non, mais pourtant, attends, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, c'est peut-être mon écran. Hein. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Effectivement. C'est peut-être t'es blanc, sinon t'as une bonne mine, mais t'es blanc. Okay. Pour sortir de ta grotte un peu. Hein. Ouais, c'est vrai, il faudrait. Faut te mettre au jardinage, hein, à la moto. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, on va continuer tout de suite avec. Donc, on a eu Sylvie, c'était OK. Non, pardon, oui, on a eu Sylvie, on a eu Titi, c'est OK. Eh bien, écoutez, nous allons tout de suite tirer au sort une nouvelle abonnée ce soir. Messieurs, dames, ce sera donc ce soir. C'est gênant là. Ce sera donc ce soir. Allez, on va appeler Christine. Allez, c'est parti. On va appeler Christine qui est née le 7-10-1970. Allez, c'est parti. Hop, donc chiffre en lettres. Hein, donc, je vous demande juste un petit peu de patience, le temps. Voilà qu'on fasse. C'est bouillant ce soir, hein, dans les énergies des gens, là, c'est caliente, hein, c'est. Ouais. Ah ouais. Tout comme des baraques à frites. Ouais, grave. Et tous sont des chardoirs dans l'estomac. Oui, allô, petit. Bonsoir Christine, comment ça va ? Bonsoir Christine. Merci à vous. Bon. Bonsoir Muriel. Vous êtes dans quel coin, Christine ? Alors, tout en haut de la France, près de Berne. D'accord, ok, très bien. Bah, écoute, c'est un plaisir en tout cas de te recevoir ce soir, Christine. Donc, je vais te laisser en compagnie de Muriel. Hein. C'est ton tour, Muriel. Alors, qu'est-ce que tu aimerais développer, Christine ? On t'écoute. J'ai tellement de sujets, donc un général, ça me suffit. Un général ? Non, on est plus doué dans le précis. Comment je vais dire, entre en ce moment le boulot c'est la merde, c'est la merde. Ouais. Comment je vais dire, je sais même pas si je suis vraiment née le 7-10-1970. D'accord. Donc, je viens de découvrir que ma mère n'est pas ma mère, mais que c'est sa sœur. Donc je vous dis, c'est. Alors vous faites ce que vous voulez. Alors, pour reprendre tes D'accord. termes, c'est la merde, c'est ça ? C'est la merde. Oui, voilà, okay. C'est la merde. Bon. Ça me rappelle un sketch des inconnus. Même sentimental, ça fait 10 ans que je suis séparée, ça fait 10 ans que j'ai rien. D'accord. D'accord. Bah, je vais être super rapide parce qu'il y a une réponse à cela, à tout cela, un conseil. Tu vois ? C'est un connaît là. Pro. Pardon. Je pense que ton 70, il est bon, déjà. Oui, je crois. Mais c'est parce que c'est le 7. Je crois que c'est le 6. Parce que, pour le coup, au point de vue énergie, et ce que tu lui expliques sur ta vie, ça correspond bien. Tu vois ? Donc, si je peux t'apporter une petite éclairage là-dessus. Voilà. Alors, toi, effectivement, parce que tu es une personne qui somatise beaucoup, en plus, pour cette très intention à ton état de pensée, mais on va pas partir sur pense positif et tout, parce que quand c'est la merde, c'est la merde. Mais disons que pour. Je suis une battante, hein. Oui, heureusement, c'est ce qui te sauve. Mais par contre, il y a un truc important, et c'est le conseil que je te donne, et ça, c'est valable pour tous les domaines, d'accord ? Chez toi, qui est très important, ça va être justement de t'écouter, parce que tu as toujours, t'as une très très bonne intuition, t'as les bonnes idées, mais surtout, ça va être de te faire plaisir. Pourquoi je prends telle décision, que ce soit au niveau du travail, c'est toujours avec la notion de plaisir, parce que ça me fait plaisir à moi, et pas par devoir
contrainte, culpabilité, tu rajoutes ce que tu veux derrière, d'accord? Parce que c'est là où ça va créer un déséquilibrage qui fait que tu te retrouves généralement sans rien, seul. Mais au contraire, si au niveau de tes décisions, tu attends d'être posé, hein, pas dans un état de stress ou émotionnel exacerbé, mais quand tu es posé, tu penses à long terme et non à court terme. Mais à long terme, tu te dis, mais tu t'imagines par exemple dans ce travail, ça va pas, ou tu dis, et à long terme, tu t'imagines d'ici 6 mois comment j'y serai, tu vois, et tu auras la réponse. Ah ben, j'ai fait les démarches pour partir parce que je me rendais malade et j'ai été hospitalisée 2 fois alors. Hein. Voilà, parce qu'effectivement, tu es une personne qui somatise beaucoup. Tu as un pouvoir de manifestation, on va dire, qui est très puissant. Bon, tout le monde le possède, mais disons que c'est plus marqué chez toi. Donc, tu as ce côté à te faire beaucoup de mal physiquement avec justement ta tête. Voilà, c'est pour ça que cette notion de plaisir… on est toujours dans le même domaine de plaisir, principe de plaisir et de jouissance, c'est-à-dire qu'il y a eu des blocages qui peut être dans ta vie, mais également, je pense, de transgénérationnel, qui fait que tu as un mauvais ancrage et à chaque fois, tu te retrouves parasité en quelque sorte. Donc, ton fil d'Ariane, c'est je vois, je me pose, je réfléchis à long terme et pourquoi je prendrais telle décision? Est-ce que c'est pour moi mon intérêt, mon plaisir personnel ou encore est-ce que je me sacrifie ou est-ce que je me sens contrainte, etc. Il faut que tu sortes de la contrainte et tu ailles dans le plaisir et tu vas voir que ça va tout débloquer. Et tu es une guerrière, je sais que quand il faudra ouvrir la boca dans les cas où il faudra, tu sauras le faire et ça sera que bénéfique. Voilà, c'est la clé en main, tu as toutes tes réponses. Ok. Voilà, Christine. Merci. Merci, Muriel. Alors, de mon côté, voilà ce qui sort. On a l'élévation, on a les pourparlers qui reviennent aussi, on a la beauté, la sagesse et l'abondance. Alors, élévation, c'est une carte qui nous demande de prendre de la hauteur sur certaines situations, d'accord ? On a cette pyramide sur cette illustration qui approche de l'astre solaire. Donc, c'est déjà une carte solaire, c'est une très belle lame, hein, c'est une lame qui réchauffe. Mais sur cette pyramide, on a une petite échelle à poser et les choses se font pas après pas, marche après marche. Donc, peut-être que tu es dans une période compliquée, effectivement, mais les choses avancent malgré tout et vont dans ton sens. Donc, il faut laisser le temps au temps. Tu es peut-être dans une, voilà, c'est possible d'être dans une année numérologique aussi qui n'est pas forcément en phase. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais en tout cas, les choses iront vers le mieux. Derrière, on a donc les pourparlers qui nous demandent de s'affirmer, d'accord, sur certaines choses aussi. Donc peut-être que la problématique, elle peut venir de là, elle peut venir d'un manque d'affirmation sur certains points. D'accord. Donc, il faut vraiment aller dans un sens où ben voilà, tu es là, tu es présente, il faut savoir se mettre en avant, il faut savoir se vendre, il faut savoir être conscient aussi de son talent, de ce qu'on sait faire, toutes ces choses-là, d'accord. Donc, il faut essayer un petit peu de réviser tout ça, d'accord, de réviser dans le sens révision, hein, dans le sens, voilà, comme de revoir un petit peu ces choses-là, si tu veux. Derrière, on a la beauté qui s'ouvre sur un cœur couronné. Donc, je pense qu'une fois que le travail sera fait, à mon avis, ça va repartir. Il y aura des choses nouvelles qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place. Derrière, on a la sagesse. Donc, la sagesse, ben, effectivement, c'est une lame qui nous demande aussi de savoir gérer les choses avec discernement, avec de la hauteur aussi, hein, un peu à l'image de l'élévation. Mais là, on est un peu plus dans l'esprit personnel, c'est-à-dire, c'est pas des situations, c'est à nous que ça parle. Donc, on demande d'être clairvoyant, on demande de voir loin aussi. Voilà, on a le hibou qui est là avec les yeux grands ouverts, c'est un animal qui voit dans le noir. Voilà, on demande de laisser un petit peu place à son intuition aussi, à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler aussi, c'est important. Donc voilà, on demande un petit peu de se méfier de tout ce qui est un petit peu trop dans la réaction, dans la vivacité, dans toutes ces choses-là. Et derrière, on a l'abondance. Donc voilà, pour moi, les choses vont se remettre en place, d'accord. C'est pareil, il y a des petites choses à aller chercher en toi, des petites choses à laver, à ressortir. Mais derrière, voilà, une fois que le boulot sera fait, logiquement, l'abondance devrait revenir et les choses devraient se mettre en place. Ok ?
Ouais, ce sera rapide ou c'est encore… Ah bah écoute… Je peux dater à peu près, je peux poser un temps, si tu veux, vas-y. Christine. Ça va être très remuant cette année, d'accord, hein, ça remue beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de changements. Voilà, donc tu peux te retrouver dans des… ça va être pas simple, ça bouge beaucoup et tu peux avoir cette sensation… de tout perdre ou de te retrouver à un nouveau sol, mais c'est pour du mieux, hein, parce qu'il y a vraiment ce phénomène de renaissance. D'accord ? Et vous ne ressentez pas qu'il y a quelqu'un qui fait blocage Bah, tu as une énergie qui peut… Oui, effectivement, tu risques d'être très jalousée. Non. Comment je vais dire mon ex ? Non, mais là… là, c'est surtout toi, te regarde, regarde pas l'extérieur en te disant le monde ou l'extérieur m'en veut, etc. Mais concentre-toi sur toi, sur tes projets, et c'est sur cette notion de te faire du bien. Parce que là, c'est de l'énergie perdue à regarder à l'extérieur, tu vois. T'es une guerrière, hein, ça se sent avec un 1 et un 8, c'est clair que t'es une guerrière. Mais t'as autre chose à faire que de battre. Et on arrête. Oui, ça fait 10 ans. Hein. Bah oui, bah, c'est pour ça qu'il était temps d'arrêter, on va essayer autrement. Au bout de 10 ans, ça marche pas, arrête. Mais c'est toujours lui qui gagne ici. Hein. Bah, là, arrête de monter sur les rings, t'as autre chose à faire, va mettre ton énergie. Oh, merci à vous deux. Voilà. Merci à toi. Merci. Gros bisous, Christine. Mais il y a du mien, hein, ça ira mieux après. Ça ira sur toi. Merci. Merci. Au revoir. Oui, c'était Christine, tu as raison. Hop. Voilà. Waouh, quelle soirée, hein, nous dit Nathalie. Bah voilà, Nathalie, où est-ce que je l'ai sorti ? Effectivement, je ne l'avais pas sorti de nulle part. Donc, allez, on va continuer. On va appeler Hélène. Allez, c'est parti pour Hélène. Donc, Hélène, le 25-12-1981. Une conscrite. Allez, c'est parti. Oui, à moi, oui. Moi je calcule, je ne dois pas perdre de temps, je dois être rapide, efficace. Voilà, merci. Rentabilité, efficacité, Muriel. C'est pas mon fort. Je sais pas où j'excelle le mieux. Allô ? Bonsoir Hélène. Bonsoir. Vous êtes en direct des oracles de Piti TV pour la soirée voyance. Ouais, super, c'est marrant parce que je suis en train de regarder, mais ça doit être en décalé. Tout à fait, oui. Il y a un décalage entre le live et ce que vous voyez chez vous en fait. Hein. Donc c'est tout à fait normal, il y a un petit décalage de quelques secondes. Super. Alors pour que ce soit bien commode pour vous, si vous voulez, vous pouvez mettre le son sur off chez vous, comme ça vous entendrez bien en direct ce qui se passe, c'est comme vous voulez. Je sais pas, là ça va. Ouais, ça va pour vous ? Ok, super. Ouais. Alors Hélène, déjà dans un premier temps, je tenais à vous féliciter parce que nous sommes conscrits. Donc bravo à vous. Nous sommes quoi ? Nous sommes conscrits, c'est-à-dire que nous sommes nés la même année, vous et moi. Je ne connaissais pas ce mot. Ah, super. Voilà, c'est un mot un peu de la campagne, c'est vrai, je vous l'accorde, mais voilà, parce qu'on fête, dans les campagnes, on fête les conscrits. Donc, toutes les personnes qui sont nées la même année font la fête sur des chars, etc. Donc, voilà, ça existe, il faut le savoir. Ça n'existe que dans cette région, hein, je pense. Hélène, vous êtes de quelle région à nous ? Parce qu'en plus, je vois que vous êtes Capricorne, en plus, Hélène. Hein. Oui, le 25 décembre. Et ben, comme moi, le 13 janvier, voyez-vous. Donc, c'est. Voilà, on était destinés. Je vais vous laisser. Donc, Hélène, vous êtes dans quel coin, vous m'avez dit ? Le Vaucluse. Dans le Vaucluse, d'accord. Vers quelle ville ? À 40 km d'Avignon. D'accord, ok. Très bien. Bon, bah, très belle région, en tout cas. Alors Hélène, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez développer ? Quelle est votre problématique ?
Oh, bah, moi, c'est comme la dame avant moi, c'est la merde dans tous les domaines. C'est la merde, d'accord. Bon, bah, écoutez, ce soir, je pense qu'on peut appeler la soirée caca, tout simplement. Donc, écoute, c'est à qui, Muriel? C'est à toi, il me semble. Non, c'est à toi de commencer. Ah, c'est à moi, ok. Ouais. Ça marche. Bon, bah, Hélène, je prends le tirage, alors. Donc on va regarder un petit peu de manière générale comment est-ce qu'on va se sortir de tout ça. Je crois que professionnellement je suis en train de percer, mais c'est pas gagné encore. D'accord. Bon, bah déjà. J'ai eu un projet récemment. Déjà, ça fait plaisir d'entendre un petit peu de positif. Voilà, il faut la pensée est créatrice, hein, comme je dis souvent. Donc quand on pense positif, le positif arrive. Hein. Donc c'est très bien déjà de vous motiver sur ce plan-là, c'est très bien. Allez, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ou de pas beau, hein, peu importe, mais qu'est-ce qu'on a tout simplement? Alors, c'est parti. Ouais, alors. Ah, vous voilà, l'étoile de la femme, c'est la consultante. Ok. Ok. On va en tirer une petite dernière. Ok. Alors, Hélène, on commence par une lame de bonheur. Hein, c'est la surprise, hein, je vous l'accorde, mais on a une lame de bonheur. En tout cas, il y a quelque chose qui vient du ciel, d'accord. Il y a quelque chose qui est là, qui vous est envoyé d'en haut pour vous apporter des présents, de la joie, du bonheur, des choses comme ça. Hein. Donc voilà, il faut pas lâcher vos efforts parce que je pense qu'il y aura des récompenses à la clé. Derrière, on a pensé amitié. Au niveau social, vous en êtes où? Vous avez des amis, vous avez des gens autour de vous avec qui vous passez un peu de temps? Ben, pas vraiment. En fait, je suis autiste, donc la plupart du temps, je suis seule. D'accord. Alors ça va être important justement de vous ouvrir là-dessus, Hélène. Et ça va être important d'une manière ou d'une autre de vous rapprocher de personnes, de faire des rencontres au niveau amical. C'est important parce que derrière, justement, j'ai retiré une carte dessus et on a la table. Et la table, c'est les échanges autour d'une table, c'est les sorties, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent vous aider à vous libérer de certains blocages parce que derrière, on a le despotisme, il y a des chaînes qui vous entravent, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Ouais. On vous demande de briser certaines chaînes, de briser certaines croyances que vous pouvez avoir qui sont peut-être erronées sur certains points. Et vous avez l'intention de rester dans la région? Oui. Ouais. En tout cas, moi, il y a une notion de mouvement pour vous. Alors, peut-être que c'est justement le principe de... En même temps, quand je sors de chez moi, de faire quelques kilomètres, c'est déjà un grand mouvement pour moi. Hein. Donc, ouais. Non, mais sans parler de ça, mais moi, je pense que c'est lié aussi au principe d'amitié. Ça peut être lié au principe d'amitié. Ça peut être lié au principe de vous rapprocher de personnes qui peuvent justement vous aider à vous extérioriser. À voir les choses différemment, à aller de l'avant par rapport à certains questionnements, certaines choses. Donc, je pense que vraiment, votre salut dépend vraiment du côté amical, du côté social des choses. Donc, il faut que d'une manière ou d'une autre, peut-être par l'associatif, des choses comme ça, vous arriviez à vous rapprocher d'autres personnes. Oui, non, ça me parle parce que justement, moi, j'ai un projet professionnel qui est en lien avec l'autisme. Oui. Et quand je sors, ce qui est assez rare, c'est souvent pour des événements en lien avec l'autisme. Et quand je parle, comme par exemple aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'autisme, j'ai pris la parole en public et c'était pas... Et ça s'est bien passé. Pas programmé. Oui, ça s'est bien passé. Et justement, quand je parle, justement, quand je témoigne de mon vécu et que je parle de mon projet professionnel... Quand vous échangez avec les autres. C'est ça, et j'ai des retours, ah, je suis intéressée, gna gna gna, et donc il est possible que quand je parle, ça fasse avancer les choses. Bien sûr, mais c'est ça qui va être important pour vous de manière générale, hein. Là on n'est pas vraiment sur du précis, mais c'est ce qu'il en sort en tout cas, c'est
C'est de vous créer une espèce de réseau, de choses comme ça, de personnes bienveillantes, si bien vous envers elles qu'elles envers vous, autour de vous, qui peuvent vous permettre justement de briser certaines chaînes, certaines croyances erronées que vous pouvez avoir et qui vont vous permettre justement de vous extérioriser, de sortir finalement. Donc le départ, hein, on voit, c'est une illustration qui nous fait voir des oiseaux qui partent d'une terre aride où il n'y a plus rien à boire, plus rien à manger et qui vont vers de nouveaux horizons, qui ouvre le champ des possibles, vous voyez. Donc, ce sera important pour vous, vraiment. Et on a cette lame de bonheur, hein, qui est, que je vous rappelle, qui est au début et qui est jumelée avec, avec la consultante. Hein. Donc, je pense que ça peut vraiment vous ouvrir aussi bien la tête que le cœur, toute cette initiative. Donc, voilà, c'est mon conseil. Je vais vous laisser avec Muriel pour voir ce qu'elle en pense. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui sera vraiment le mot d'ordre pour vous, c'est de vous extérioriser par rapport à l'amical et aux rencontres, aux échanges et au social. Voilà. Merci. Voilà, Hélène. Et en plus, vous avez dit, ça m'ouvre le champ des possibles. Et justement, j'ai un entretien d'embauche auprès d'une association qui s'appelle le champ des possibles. Eh ben, voyez-vous. Eh ben vous, j'ai un mail, je serais curieux de savoir. Vous me tiendrez au courant, Hélène, si c'est possible. Ouais, d'accord. D'accord. Je vous remercie. Je vous laisse avec Muriel. Merci. Bonsoir, Hélène. Cette belle touche de douceur. J'aime beaucoup l'énergie. Je la reconnais très, très bien, celle-ci. L'autisme, c'est très présent dans ma famille, c'est un peu présent chez moi aussi. Donc, je comprends ta problématique et dans quoi tu te lances là, c'est effectivement cette capacité de prise de parole, parce que tu as une facilité de communication, bien que tu sois très renfermée et timide, tu as cette capacité-là de parler aux esprits, d'accord ? Et effectivement, dans quoi tu te lances, c'est exactement ce que tu dois faire et tu le ressens parce qu'à ce moment-là, tu te sens bien, tu te sens faisant partie de ce monde quelque part et tu ressens plus, oui. Tu te ressens plus cette différence, ce fait que je me sens à part. Donc, je confirme tout ce que dit Piti, effectivement, il y a une histoire de formation où toi, tu formes les autres et ça ressort. D'accord. Oui, je veux être un pont entre ces deux mondes-là. Oui, oui, t'es une médium. Et y a un truc, je pense qu'il y a dû avoir un départ qui peut être récent ou plus lointain, un deuil que tu as eu du mal à faire. Parce que j'ai eu de laisser partir. Laisse partir. Et il y a une grande part de médiumnité en toi. C'est pour ça aussi que tu as cette facilité-là à percevoir, à ressentir les gens. Et encore plus les autistes. Hein. Tu sais ce que disait ma mère à propos des autistes ? Parce que ma mère a eu… J'ai un neveu autiste. Ma mère a eu un enfant autiste et j'en suis un petit peu des côtés. Voilà, elle disait que les autistes étaient des anges venus sur Terre qui avaient oublié de déposer leurs ailes à l'entrée. Ben oui, ça a du sens parce que j'ai souvent l'impression de flotter quand je marche. Oui, c'est ça, c'est le problème d'ancrage. Donc je comprends ces difficultés à interagir avec les autres. Je suis une vraie sauvage, moi, en vérité, bien que j'ai un côté mais du moins, effectivement, il y a la formation, etc. Mais je pense peut-être s'il y a eu un départ, un deuil à faire, que tu as du mal à lâcher ça, peut-être sur une personne sur qui tu t'es beaucoup, qui était quelque part ta zone de confort, la personne qui disait que ça te rassurait et ça t'ancrait, qui est peut-être disparue, partie de l'autre côté ou partie séparation, mais il faut laisser partir, j'ai entendu cette phrase-là. Mais du moins, ton projet professionnel, c'est exactement ce que tu dois faire et c'est ça qui va t'apporter cette joie de vivre et cet épanouissement. Je dirais même. Ouais. Bon, ouais. Tout à fait ça. Et tu l'as ressenti de toute façon. Tu l'as ressenti. Oui, je me sentais missionnée quand j'étais près d'une personne autiste. Je me sentais à ma place comme missionnée. Oui, tu es à ta juste place. Tu fais ce que tu es et tu es ce que tu fais. C'est l'alignement parfait. Tu ne peux pas rêver mieux. C'est pour ça que tu ressens autant de bonheur quand tu fais ça. C'est la meilleure indication, c'est ça. Voilà, Hélène. Ben, merci.
Merci à toi, en tout cas. Tu es une nouvelle abonnée des Oracles de Piti TV ? Mais ça fait quelques fois que j'assiste au live, mais que j'arrivais pas à... Et ben voilà, tu as franchi. Ah ben voilà, par contre, pas. Et on t'en félicite, en tout cas. Ah. Merci. Merci à toi, Hélène, d'avoir appelé. On t'embrasse. Et puis, tout le meilleur du côté... c'était de Avignon, c'est ça, à côté d'Avignon. Hein. Oui. Voilà. Oui. Et je vous tiendrai au courant pour le champ des possibles. Avec grand plaisir. Voilà, c'est incroyable. Tout à fait. Merci ça. Hélène. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir Hélène. Ouais, on a touché Hélène. Grave. Bah oui, écoute, ça arrive. Hein. On voit que tu n'as pas un cœur de pierre comme tu essayes de le faire. Bah oui, j'ai pas un cœur de pierre. Genre, je veux montrer que j'ai un cœur de pierre. Bon, non, je me bisounours, moi. Mais oui. Allez, si je te dis donc le 21-12-1991. Oui, c'est qui? Eh bien, c'est Audrey qu'on va appeler tout de suite. Audrey, bien. Allez, ne perdez pas espoir, hein, on est encore sur le tirage au sort, donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Avec Audrey. Autre salle, autre ambiance. Allô Audrey ? Oui. Bonsoir, c'est Piti. Bonsoir. Ravi de te recevoir dans les oracles de Piti TV. Tu es dans quel coin, Audrey ? En Haute-Normandie. D'accord, Haute-Normandie, ok. D'accord, très belle région. Ravi de te recevoir. Tu es une nouvelle abonnée ? Non, ça fait... Ça fait quelques temps déjà ? Oui. D'accord. Moins depuis 2021. Oh, oui, d'accord, ok. Donc, tu es une aficionado. Autant de... Tu vas avoir, voilà. Tu vas avoir ton badge aficionado, Audrey. Et de Didier Santiago. Voilà, exactement. Oui, on veut ça. Hein, comme on dit. Voilà, voilà. Alors Audrey, je vais te laisser en compagnie de Muriel, hein, la voyante aux cheveux d'automne. Aux cheveux d'automne et je reprendrai juste derrière. Je préférais de feu, mais d'automne. C'est pas mal aussi. Ce que tu as trouvé. Allez, Audrey. Je suis sur l'automne de ma vie, c'est ça? Donc, c'est pas l'hiver, ça va. Bien. Allez, je te laisse avec Muriel, Audrey. D'accord. Merci. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Je t'écoute. Ce serait pour côté sentimental et professionnel. D'accord. Ok. Alors, 8 et 7. Muriel, prends le professionnel, je prends le sentimental, si tu veux bien. Bah, de toute façon, j'allais prendre pour le professionnel. Ce qui venait tout de suite, c'est parce que pour moi, c'est d'abord le travail, l'amour ensuite. L'amour, tu vois, c'est l'inverse. Ah bon ? Voilà. Je suis perdue. Voilà. Ce qui a travaillé vraiment au point de vue travail, tu viens de me dire, au niveau de l'énergie, c'est vraiment ce côté de trouver ta place dans le groupe. D'accord ? Il y a des difficultés à... disons, tu peux être un peu jalousé, ça soit, tu peux être soit on t'appuie sur la tête, ta hiérarchie, ou soit tu peux être jalousé par des éventuels collègues. C'est-à-dire, c'est vraiment oser t'exprimer. Bon, on va dire avec les 2-3, t'oser t'exprimer. Je n'en sais pas si je dis là-dessus. Mais disons que t'exprimer peut-être d'une manière posée, peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, mais d'exprimer clairement les choses sur ce que tu ressens. D'accord, et sur tes idées, t'affirmer, on va dire, mais voilà, d'une manière peut-être un petit peu moins, parce que tu as tendance à démarrer peut-être un petit peu sur les chapeaux de roue, mais disons vraiment, oui,
Voilà. Dire ça. Disons que tu es légitime dans ce que tu exprimes, c'est peut-être la manière de l'amener qui l'est moins. Donc, qui fait que ça, voilà, ça, ça percute. Hein. J'ai dit Audrey, accroche-toi Audrey. Hein. J'ai dit, on va passer d'Hélène à Audrey, changement de salle, changement d'ambiance. Voilà. Mais surtout, ça va être vraiment de t'affirmer dans le groupe. Disons que tu sors du lot. Tu sors de l'eau et c'est vrai, c'est-à-dire que tu te leurres pas. Hein, t'es pas un ego surdémustiné quoi. T'as des vraies qualités, des vraies valeurs, mais c'est vraiment, il va falloir vraiment te positionner. C'est une question de positionnement au sein de cette société, on va dire. Hein. C'est surtout ça, trouver ta place et surtout au lieu d'amener par ton émotionnel ou par ta force, voire parfois ta colère, amène plutôt par tes idées. Parce que tu as des superbes idées, par contre. Surtout cette année. Tu as vraiment des bonnes idées, tu vois. Amène par ce biais-là et ça devrait aller mieux. C'est possible qu'il y ait une cassure. C'est possible hein, qu'il y ait une cassure au point de vue du travail, mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. C'est là, tu es en période de réharmonisation. J'ai quitté un travail en 31 décembre. Ouais. Non, sur autre chose. Eh bien, justement, profite que tu recommences sur autre chose pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Mais ça, c'est au point de vue de ta communication. Sois moins sur la réaction. Oh. Allô, allô? J'ai entendu, ça faisait une sonnerie. Oui. Voilà, donc ne sois pas en réaction. Mais communique plus sur tes idées parce que par contre, cette année, tu marches à 10 millions d'idées minutes et elles sont bonnes. D'accord. D'accord ? Ouais. Mais s'il y a eu rupture, si tu as quitté le travail, c'est un bon choix. C'est pour quelque chose de mieux. Moi, je doutais si j'avais fait un bon choix ou pas. Non, non, c'est le bon choix. Tu as bien fait. Bon, bah, c'est très bien alors. Ma chère Audrey, je prends le relais ? Oui. D'accord. Allez, c'est parti. Alors. Moi, de mon côté, nous allons voir le sentimental et c'est beaucoup, beaucoup moins marrant. Alors, ah, c'est pour ça que j'ai dit travail d'abord, l'amour après. Hein. Non, mais j'ai pas venu, j'ai pas venu. Vous me connaissez, c'est comme ça. Non, non, mais c'est pas faux. Donc, pas de panique. On commence donc. On a les pénates. Donc, les pénates, c'est une lame qui nous parle un petit peu de situation qui tourne en rond, de situation qui est un petit peu bloquée. On a une tour qui est composée de deux fenêtres et elle n'a pas de porte, cette tour. Donc, en fait, le truc, c'est que pour sortir de cette tour qui nous fait tourner en rond, on vous demande de vous jeter par la fenêtre. Et, oui, voilà, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort, de prendre un certain envol. D'accord, juste à côté, on a le bonheur. Donc, il y a des choses un petit peu, voilà. Il y a des choses qui font, ouais, qui bloquent pour moi. J'ai inconstance et méchanceté sur l'étoile de l'homme. Est-ce qu'il y a eu une relation dans le passé qui s'est mal terminée ou qui a beaucoup brassé ? Ah bah oui. Ouais, d'accord. Surtout psychologiquement, c'est... Voilà. C'était un pervers narcissique. Donc... Ok, ouais, un de ces fameux. Voilà. Ok. Avec qui j'ai vécu pendant 2 ans et demi. Ouais. Donc, du coup, ça fait un sacré coup, quoi. Voilà. Ouais, ok. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Il y a des choses à lever un petit peu chez toi. Beaucoup plus méfiante, oui. Voilà. Et tu sais que ça, c'est des choses qui se ressentent. Mais je sais ce que je veux quand même. Oui, tu sais ce que tu veux. Mais je pense que tu sais surtout ce que tu ne veux plus. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour accueillir quelque chose de nouveau dans sa vie, il faut vraiment pouvoir avoir une page blanche devant soi. Et c'est ça qu'on te demande un petit peu de prendre ta gomme, comme dirait, je pourrais parler un peu comme Muriel, c'est prendre ta gomme et gommer un petit peu ce qui est écrit sur cette page pour justement qu'elle redevienne blanche et que tu puisses accueillir. Parce que si déjà au niveau vibratoire, tu n'es pas dans le bon axe par rapport à ce qui t'est arrivé, et attention, ça peut aussi jouer sur ton inconscient, hein, sur ces choses-là. Donc, si tu n'es pas dans le bon taux vibratoire par rapport à ce qui t'est arrivé, déjà, tu n'attires pas au niveau vibratoire, donc au niveau de l'univers. Et en plus, si toi, tu n'es pas,
si tu n'es pas face à cette copie blanche pour vraiment redonner ta confiance, redonner ton espoir, ton lâcher prise, toutes ces choses-là, une relation, forcément, ben, ça se sent aussi de l'autre côté. Et ça peut. Alors, tu peux rencontrer des personnes, mais ces personnes peuvent être un petit peu sur de la méfiance ou des choses comme ça, et ça peut vite t'amener vers des mauvaises énergies qui feront capoter un petit peu tes initiatives. Donc, attention à ça. C'est pour ça que derrière, on a l'élévation. Et l'élévation, elle ressort, et l'élévation, c'est petit à petit, marche après marche, step by step, on va monter les murs de cette pyramide pour arriver jusqu'au soleil. Donc, c'est-à-dire, c'est schématique ce que je te dis, mais voilà, petit à petit, il va falloir aller vers un certain lâcher prise par rapport à ce que tu as pu vivre, et chaque histoire est différente, et c'est pas dit que tu tombes sur un bâtard, j'ai envie de te dire. Nous ne sommes pas tous des bâtards, même si il y en a beaucoup, mais voilà, on est comme le disait l'expression, et j'aime bien la dire souvent, celle-là, les hommes c'est comme les melons, il faut en tâter 1000 pour en trouver un de bon. Voilà, c'est comme ça. Elle a peut-être pas envie d'en tâter 1000, Audrey, aussi. Elle a peut-être pas envie d'en tâter 1000, mais bon, ce qu'il faut qu'elle se dise, c'est que effectivement, il peut y avoir des choses qui peuvent encore te brasser à l'avenir, mais il faut prendre ton courage à deux mains et les affronter, en fait, parce que après, ça va être difficile de lâcher prise, parce que je fais tout pour laisser ça derrière et puis passer il faut pas que tu compares ton passé avec ton avenir, finalement. Donc essaye de refaire confiance, essaye de repartir de l'avant, essaye d'être dans l'espoir. Rappelle-toi que la pensée est créatrice. Mais derrière, on avait l'élévation, et pour finir ton tirage, on a quand même les honneurs qui arrivent derrière, une deuxième carte solaire. Et les honneurs, ça, c'est les sceptres, c'est la couronne de la reine, tout ça. Si tu veux, c'est une lame qui a l'adage qui nous dit que tu arrives à asseoir tes objectifs au niveau sentimental. Donc rien n'est perdu. Je pense que au final, tu trouveras chaussure à ton pied, voilà, quelqu'un qui sera dans ta logique et dans ton énergie. Mais ça en passe un petit peu par pareil, un travail personnel, un petit peu des choses à remettre en ordre en toi et essayer de. Parce que j'ai toujours peur de me faire avoir à chaque fois. Mais oui, mais je sais bien. Je sais bien. Mais c'est la peur de beaucoup, beaucoup de femmes. De tomber dans le piège. C'est la peur de beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement, mais parce qu'elles ont été victimes de bâtards, hein, voilà, il faut le redire. Oui. Mais ce que, voilà, j'essaye de prêcher pour la gente masculine, mais voilà, ils ne sont pas tous comme ça. Et c'est comme je te disais, peut-être que voilà, tu vas tomber sur un autre qui va te brasser dans un autre sens, c'est-à-dire te mettre des émotions que tu n'as pas connues, mais qui sont peut-être négatives, mais au bout d'un moment, tu trouveras vraiment ce qu'il te faut, et une personne, voilà, excuse-moi l'expression, pareil, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que ben, c'est en se cassant la figure, c'est en avançant, c'est en étant blessé que finalement, au bout d'un moment, on arrive à s'endurcir sur certains points, et à savoir ce qu'on veut plus, mais à savoir ce qu'on veut aussi. Audrey, c'est ça, hein, donc 91. Oui. Bon, je pense que voilà, tu as 30, bah, tu as 10 ans de moins que 32. Moi, donc tu as 33. C'est 33 la fin de l'année. Ouais, 33 la fin de l'année. C'est le 21 décembre. Ouais. Donc là, j'ai 32. Tu as 32, 33 ans. Tu es, voilà, enfin, t'as encore des belles choses à vivre. Voilà, t'es pas non plus, il y a encore du temps devant toi. Voilà. Donc, essaye de réfléchir à ce que je t'ai dit, au tirage qui est sorti. En tout cas, tu pourras le revoir en replay si tu veux bien si tu as envie de regarder vraiment les choses comme elles sont sorties sur le tapis. Mais voilà, ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste des et puis voilà, tu sais, les histoires d'amour qui sont derrière nous, ben en fait elles sont à leur place, c'est qu'elles sont derrière nous justement.
Donc voilà ce qui se passe. Derrière, très 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 loin. Voilà, il faut enlever le rétroviseur et regarder devant, parce que c'est là que les choses se passent et voilà et tu es trop importante dans ta propre vie pour te laisser influencer ou embêter par des choses qui ont été vécues et surtout qui ont été faites par des bâtards, d'accord ? Des bêtes. Ok. Ok. Bon, bah écoute, voilà, j'espère que mon conseil te servira. On t'embrasse très fort. Merci, vous aussi. Et puis à très bientôt. À très bientôt, puis une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Audrey. Au revoir. Merci, au revoir. Faut t'arrêter. J'ai une mauvaise influence sur toi. Quand t'es avec moi, ça part toujours. Ouais, mais c'est pas plus mal, c'est sympa. C'est pas plus mal, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien par où ça passe. Allez. D'accord. Allez, on va prendre Mamie Fan. On sera peut-être la dernière parce que. Alors, c'est pas que je veux plus, c'est que j'ai plus de batterie. Ah non, d'accord. Oui, et puis ben ouais, ok. Bon, alors. C'est la technique. La technique, elle se fait pas. Moi, je suis pleine d'énergie. Mille excuses à Nana, mille excuses à Béatrice, à Florence, à Laurent, à Nathalie, voilà, et j'en passe encore que j'ai dû en oublier, mais voilà, désolé pour ce soir, mais on en refait. Il y a une soirée, Marion. Voilà, je vous propose de. Il y a Christine, il y a Marion. Voilà, il y a toujours une émission ou deux dans le mois où vous pouvez venir poser vos questions. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Sans aucun problème. Et puis, si jamais le cœur vous en dit, contactez-nous en privé, hein, tout simplement. On est meilleur en privé. On se retient en public. C'est largement meilleur et largement plus détaillé. Largement ouais, plus surtout. Détaillé, largement, enfin, voilà, c'est un autre. Ça n'a rien à voir. D'un coup, là, on est sur un live. Voilà. Les choses sont précises aussi, je ne dis pas, mais. Bon, on est précis, hein. Moi je trouve qu'on est très précis. Hein. Oui, on est précis, mais on peut moins développer, on peut moins voilà. Aller aussi chercher des choses qui sont peut-être un peu plus intimes pour vous, ouais. Des choses comme ça. Donc, on ne peut pas se lâcher. Voilà. Donc, beaucoup, voilà, mais pas autant. À prendre rendez-vous avec soit Muriel, soit moi, avec grand plaisir. Alors, on a un téléphone à qui ? Là, on téléphone à Mamifan. À qui ? Mamifan. Je n'ai pas compris, c'est pas grave. Comment ? Ouh, c'est une petite voix, Mamie Fan. Mamie Fan. Ah bon ? Non. Mamie Fan. Mamie Fan. Excuse-moi, Mamie Fan. Ouais. Et la date de naissance, parce que je suis encore là, puis dis, excuse-moi. Oui, alors Muriel réclame une date de naissance. Désolée. 28-10-64. Merci beaucoup. Ouais, Scorpion. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais développer ? Je t'écoute. Oh, le côté sentimental. Le sentimental. Allez, ouais. Parce qu'on est au mois d'avril. Et ça, c'est bon, ça. Allez. Je suis tout émoustillé, moi, ce soir. Oui, Juste, no comment. Moi, je veux calculer. Arrête. Il y a une certaine musique, tu vois, comme quoi. Tu l'as senti venir. Allez, c'est parti. Alors, le sentimental pour... Donc, on a une notion de lâcher prise qui sort en direct hein, sur certaines choses, des choses qui t'empêchent d'avancer. Ah une carte d'union qu'elle a des cœurs qui battent à l'unisson. La constance qui revient derrière. Le feu. Découverte. Et les cadeaux du ciel présents. Il y a quelque chose, il y a un lâcher-prise à faire sur une union passée pour moi, qui t'apporte de l'inconstance. Ouais. Voilà. Ouais, mais Et derrière, il y a le feu, donc c'était certainement lié à des prises de bec, des conflits, des choses comme ça, où ça peut t'en amener dans tes futures relations. C'est-à-dire que le fait que un certain lâcher-prise n'ait pas été fait sur une ancienne relation peut amener des conflits sur les prochaines.
D'ailleurs, on a les découvertes, donc on demande de voir plus loin, plus grand, plus large sur tes relations. Mmh. Et on a les présents qui sont là sur la fin, donc on a un cadeau du ciel, donc il y a quelque chose qui arrive. Il y a une bénédiction qui arrive par rapport au sentimental. Mais si tu veux l'accueillir dans les meilleures conditions, je pense qu'il faut regarder un petit peu en arrière et pareil, essayer un petit peu de laver certaines choses. C'est important. Ouais. Ouais. Mmh. Par rapport à une union qu'il y a eu dans le passé. Voilà. Bah, disons que j'étais mariée 36 ans. Hein. Mmh. Donc, ouais, ça ne s'oublie pas comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais je comprends tout à fait. Mais disons que ça, ça ne prêche pas pour ta paroisse pour la suite des choses. Et c'est comme je disais à. C'était Audrey, hein, c'est ça, juste avant. Je lui disais que voilà, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur et il faut accueillir sur une nouvelle page blanche. Et la découverte, c'est une longue vue et ça nous demande de regarder devant et pas en arrière non plus. Donc voilà, c'est vraiment le conseil de l'oracle, c'est-à-dire pour accueillir vraiment ce cadeau qui arrive à toi dans le futur, il va falloir que sur l'arrière, que tu sois clean et que ça aille dans le bon sens, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, pourtant, j'ai pas l'impression d'être bloqué là-dessus. Bah après sur, peut-être que sur le fait accompli, tu sais, quand il y a certaines choses qui ressortent, on peut réagir de manière. Voilà. Pour le moment, c'est sûr, si tu es seul et que tu te sens prête, etc., il n'y a pas de souci. Mais après, si, mettons, je ne sais pas, ton ex-mari avait. Une problématique que tu ne supportais pas, par exemple, et qu'il y ait quelque chose qui revienne dans cet esprit-là, tu peux peut-être avoir moins de patience et ça peut créer certains conflits rapidement, tu vois, et tu peux peut-être passer à côté de certaines choses. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là, moi, que j'ai l'impression de voir le tirage. Après, voir ce que Muriel va nous dire, ok ? Ok. Je te remercie. Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci à toi aussi. Bonsoir. Alors, je confirme. Je fais pardon, j'enchaîne, parce qu'on m'a dit de faire vite. Voilà. Donc, je confirme. Voilà, c'est de ta faute. Donc, je confirme ce qu'a dit Piti. Effectivement, il y a quand même quelque chose à régler, mais ça va se faire. Hein. Là, comme un vieux contrat à clôturer, il y a des choses qui se terminent. Il y a du changement qui arrive effectivement et il y a une rencontre qui va te chambouler, même je dirais, que je placerai plus sur novembre, d'accord ? Qui va t'amener du renouveau, qui va ramener du renouveau pour pouvoir dès l'année prochaine justement te redonner encore du renouveau. Donc je dirais que sur cette rencontre, je vois comme une rencontre un peu peut-être une relation un peu tremplin. Voilà, qui va permettre peut-être de découvrir autre chose, d'apporter peut-être une guérison plus émotionnelle, d'accord, qui va t'apporter justement quelque chose que tu n'as pas encore connu, mais qui sera pas, je vois pas sur quelque chose de, une rencontre, je la vois pas forcément sur quelque chose de à long terme. Et ça peut être même une amitié, hein, c'est pas forcément une rencontre sentimentale, mais il va avoir quelque chose effectivement plus sur novembre. Et ça va vraiment, vraiment où tu, ça va permettre d'aider à tourner cette fameuse page dès l'année prochaine. D'accord? Donc ça va, là il y a tout, table rase, il y a tout qui bouge. Accroche ta ceinture. Je conseille à te donner, accroche ta ceinture, voilà. Mais c'est que du mieux qui arrive. D'accord ? De toute façon, il n'y a rien qui t'abat. Toi. Voilà. Toi, à chaque fois, tu te relèves toujours de plus en plus forte. Mais je peux comprendre que tu en es marre de ça. Oui, ouais, ouais, ça fait long. Okay. Voilà. Mais justement, tout ça va s'arrêter. Donc, ça va secouer, hein. Ça va secouer, mais on part sur quelque chose de bien. On est vraiment sur le principe de renaissance, là, hein, dès l'année prochaine. Grâce à cette rencontre en novembre. Ok, bon, bah, on va attendre novembre alors. Voilà, ça va, c'est pas trop long à attendre. On n'est plus à 6 mois près. On n'est plus à 6 mois. Hein.
Voilà, Mamie Fan, pardon. Mamie Fan. C'est cool, ça. On t'embrasse. Oui, je sais pas, ouais, non, mais j'aime bien les petits chevreuils, les fans, donc c'était parti là-dessus. Ouais. Je t'embrasse, Mamie Fan, gros bisous. À merci, bientôt. Gros bisous à vous deux. Au revoir. Merci, au revoir. Et ben voilà. Donc merci ma Muriel pour cette super soirée que tu nous as offerte encore ce soir. Merci à toutes et à tous sur le chat. C'était encore un plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreuses ce soir sur les oracles de Pity TV. Vous avez été sage dans le chat parce que du coup j'ai pas vu. C'est mon côté modo qui. Ouais, c'est surtout les modos, est-ce qu'ils ont été sages? Le débat avec Bruno, avec Solune, tu sais, enfin un peu les. Ouais, c'est. Voilà, donc écoutez, c'était un bonheur. Merci de votre bienveillance sur le chat, vraiment à toutes et à tous. En tout cas, il n'y a pas de mauvais commentaires, il n'y a pas de mots plus haut que l'autre. C'est surtout le petit gang parce que je le connais, le petit gang. Oui. Ils aiment bien se lâcher, surtout quand je suis en haut, hein, ouais, en c'est bas, vrai. Avec eux. Ils aiment bien. Merci, voilà, merci Jean-Noël, merci les astuces de Claudia, merci Christelle, merci Géza qui a été très active. Et un joyeux anniversaire à Bruno. Hey, merci Bruno, voilà, exactement, oui. Gros bisous à toi, Bruno. Bonjour, gros bisous. Voilà, Nathalie, merci d'avoir été là. Patricia, Mamie Fan, voilà, Sylvie, toutes et toutes qui étaient là ce soir. Je vous embrasse, je vous remercie de votre présence. Merci Muriel. Et plaisir, quand tu veux, quand vous voulez, vous m'appelez, j'arrive. Merci Nathalie aussi. Gros bisous à toutes et à tous. Je vous embrasse et à très bientôt sur les oracles de Pity TV. Au revoir.